Maman, bon après-midi. Bien. Viens là. Le bois que tu es allé acheter depuis le matin, c'est maintenant que tu rentres. Tu n'as même pas encore puisé de l'eau. N'en parlons même pas de la cuisine. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Maman, bicosier. Maman, tout le corps me fait mal. Je ne suis même pas capable de... Ferme-la. Tout ton corps te fait mal. Pourquoi? Je demande pourquoi. Qu'as-tu fait pour que tout ton corps te fasse mal? As-tu commencé à sortir les jeunes hommes ou les vieux? Non, maman, non. Non, dis-moi non. Hein? Donc maintenant, tu me regardes droit dans les yeux pour me dire que tu as mal? Ngwatele, attends, après je prends quelque chose qui va te soigner. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Ça ne va pas là? Hein? Réponds-moi encore et tu verras ce que je te ferai. Attends un peu. J'ai versé ma bière. Tu vas la remplacer. Sinon, pas de nourriture pour toi dans cette maison. Est-ce que tu m'entends? Tu vas la remplacer. Et puis, tu vois le tas d'habits là? Tu les laves à l'instant où je te parle. Essaye de ne pas les laver. Je vais te montrer dans cette maison. Fils stupide. Maman, pas... Maman, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ceci? Petite sorcière, je n'ai aucune explication à te donner. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce que je te dis de faire. Je n'ai pas besoin de te dire ce que tu as fait. Et si tu ne le fais pas, tu regretteras le pourquoi tu étais venue dans ce monde. Idiote. Tu vas remplacer ma bière, oh. Hé, Tineke Wam. Idiote. Vous tous, oui, vous tous qui me regardez là. Demain, vous direz que je suis méchante, n'est-ce pas ça? Hein? Vous êtes là à me regarder. Bien, solé. Je ne suis pas méchante, oh. C'est une fille qui me cherche des ennuis. Hein? Dieu. Pourquoi tu appelles Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu as tout fait, oh. Regarde-toi. Tu appelles Dieu. Qui es-tu pour appeler Dieu? Les personnes même qui ont la foi n'appellent pas Dieu. Mais toi, tu oses l'appeler. N'importe qui appelle Dieu. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Debout. Ah. Hey. Hey, madame. Je veux de l'eau en sachet. Ok, je la porte tout de suite. Un sachet. Merci. Ok. Hey, wow. Tu vas bien? J'ai juste faim. S'il vous plaît. Ok. Madame, s'il vous plaît, vous avez la Fanta? Non, je n'en ai pas. Hey, et la Sprite? Ça vient tout juste de finir. Hey. Ok, tenez-moi la Malta et les biscuits. Non, la Malta et le gâteau. Ok, je les apporte. Merci. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Ok.
Merci, madame. Ah, madame, revenez, non. Donnez mon argent. Oh. Ah. Désolée. Ah. Désolée, madame. Donnez-le-moi. Vous voulez fuir avec mon argent. La nourriture. 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 Des bouts. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Tu veux te tuer? Que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Hey, Idioma. Dis-moi, hey, quoi de neuf? Dis-moi, comment tu vas? Ah, je vais très bien. Ah, où étais-tu passé? Tu sais que je suis toujours ici. Ah, ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Quel est ton nom? Je m'appelle Happiness. Mais je n'ai jamais été heureuse dans ma vie. Hey! Mon Dieu! Tu sais, je t'ai vue dans le coin. Et tu me semblais être une personne très calme. Alors, j'étais inquiète. Qu'est-ce qui trouble ton esprit à ce point? Quoi? Ma mère. Elle me déteste. Tout ce qui me concerne l'irrite. Elle me prive de nourriture. Et elle dit que son seul souhait, c'est de me voir morte. Que Dieu t'en préserve. Tout vit à quoi? Ça n'arrivera pas. C'est pourquoi elle t'a donné cette grosse bassine. Pourquoi tu as cherché de l'eau? Hey! Certaines femmes peuvent être méchantes. Ça va aller. Ok? Ne t'inquiète pas. Tu as maintenant une amie. Chaque fois que... N'hésite pas. D'accord? Arrête de pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à puiser de l'eau, d'accord? Merci, c'est gentil. Finis d'abord de manger. Maman, j'ai fini avec les tâches. S'il te plaît, puis-je avoir de la nourriture? De la nourriture? Quelle nourriture? M'as-tu donné l'argent pour que je puisse préparer à manger pour toi? Ben... Alors pourquoi demandes-tu à manger? Mais maman, je suis celle qui a préparé cette nourriture. Et puis quoi si tu es celle qui l'a préparée? Alors automatiquement, c'est parce que tu l'as préparée qu'elle t'appartient, n'est-ce pas? C'est ça? Ah, regarde-moi cette fille. Oh. Laisse-moi te dire, tant que tu n'auras pas remplacé la bière que j'ai versée sur toi, tu n'auras rien à manger pendant une semaine. Hey, maman! Maman, je vais mourir. Tu vas mourir. C'est ce pourquoi je prie tous les jours. Ça, c'est mon sujet de prière à chaque fois que je prie. Que tu meurs. Oui, tu meurs. Que tu t'en ailles. Oui. Ah, ah, mais c'est quoi cette histoire? Maintenant, hors de ma vue, Biko. Pourquoi restes-tu encore planté là? Hein? Maman, comment ça, pas de nourriture? Tu veux pleurer? Regarde-moi ça. Ne fais pas que je ressorte la bête qui est en moi. Si tu ne remplaces pas ma bière, ah, ce que je te ferai dans cette maison. Quoi? Je pense que je dois aller me reposer. Tout mon corps me fait mal. Il faut que je me repose un peu. Ah. Mon amour, mon affaire, tu dis-moi.
Dans cette maison. Je souffre. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ce genre de traitement de la part de ma propre mère. Tonton, laisse-moi te poser une question. Y a-t-il quelque chose que tu me caches? Suis-je une orpheline? S'il te plaît, ne dis plus jamais de telles choses, Happiness. Hein? Ah, Dieu ne plaise. Tu es la fille de la terre. Mais je ne sais pas pourquoi ta mère a décidé de te traiter de la sorte. Hein? Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, ne t'inquiète pas. Je viendrai la voir demain. Ok? Tonton, je ne rentrerai pas dans cette maison. Sais-tu que je n'ai pas mangé depuis 2 jours? 2 bons jours? La seule nourriture que j'ai mangée, c'est celle que mon ami m'a donnée lorsque je me suis évanouie, tonton. Évanouir, tu dis? Ah! C'est déjà arrivé à ce point? Hein? Vraiment, ce n'est pas bien. Ah ah! Adarko, quand est-ce que tu vas arrêter avec cette folie? Hein? En tout cas, va dans la cuisine et prends tout ce que tu veux manger. Hein? Lorsque ma fille va rentrer, elle se préparera un autre repas. Merci, tonton. Merci. Adarko, tu auras bien de mes nouvelles. Tu vas voir. Non, mais c'est pas vrai. C'est quelle histoire, ça?
Oui. Maman, j'ai fini de puiser de l'eau. Tous les fûts sont maintenant pleins. Mm-hmm. J'ai aussi fini de défricher derrière. Alors que veux-tu de moi? Que je t'applaudisse? Mm-hmm. Ou alors devrais-je danser pour toi? Lequel préfères-tu? Nguan. Je vais également danser pour toi, Nguam. Eh, Nama Bachada Mini. Bravo, mon fils a puisé de l'eau. Eh, Wu. Est-ce que tu veux autre chose? Maman, non, ce n'est rien de tout ça. C'est juste que j'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis hier. Tu as faim? Tu m'as dit de finir de puiser de l'eau avant de me donner à manger. Tu as faim? Va manger. Ai-je arrêté tes mains? Ai-je arrêté ta bouche pour que tu ne manges? Maman, je ne peux pas aller dans la marmite et me servir. Que le tonnerre fracasse cette chose qui te sert de bouche. Pour m'avoir dit à l'instant que tu as faim, dans cette maison. Ma maison ressemble-t-elle à un restaurant où on demande à manger? Regardez-moi ce vaurien. Monsieur dit qu'il a faim au lieu d'aller dehors et de chercher à trouver. Tu travailles pour te nourrir ainsi que ta famille. Tu es ici à parcourir les rues, à parcourir les villages, tous ces villages. Et tu t'attends à ce que j'utilise mes mains et mon argent tous les matins pour toi. Ça ne va pas dans ta tête. D'avoir pensé que cela arrivera. Ça ne va pas chez toi pour avoir pensé que cela arrivera dans cette maison. Tous tes égaux sont en ville. Ils travaillent. Ils se débrouillent tous. Tes égaux. Regarde le fils de Mazier et Mouka. Il travaille et s'occupe de sa mère. Il nourrit bien sa mère. Mais toi, tu es là, à te balader dans tous les villages, dans tous les coins de la rue, à ne rien faire. Et je t'attends à ce que je te nourrisse avec mon argent. Que le tonnerre te... Pourquoi tu me traites comme ça? S'il te plaît, tu me traumatises. Est-ce que c'est juste? Moi? Que je te frustre? Ça ne va pas. Alors tu dis que je te frustre, Robbie. Eh bien, si tu veux vraiment manger, va te chercher pour que tu manges. M'as-tu entendu? Va là dehors et cherche du travail. Va un peu travailler. Tu t'attends à ce que moi, que je te nourrisse à cet âge adulte, pendant que tes égaux sont en ville cherchant du travail pour une meilleure vie et pour pouvoir nourrir leur famille et ainsi qu'eux-mêmes. Ils se font tous beaucoup d'argent. Et tu t'attends à ce que moi, je te nourrisse avec mon argent. Regarde, que de te donner cette nourriture, je préfère la donner aux oiseaux. C'est mieux ainsi. Avant que tu ne manges cette nourriture. Dégage de là, espèce de vaurien. Hors de ma vue, petit bâtard. Dieu te jugera. Dieu te jugera. C'est à moi que tu t'adresses. Aïe, il a osé dire que Dieu me jugera. Oh, Bibiama, il a osé dire que Dieu... C'est toi que Dieu jugera. Ce pain est sucré. Obi. Mais pourquoi tu cette mine? Que s'est-il passé? Elle a encore recommencé. Lucy, allez, viens t'asseoir. Ok. Viens t'asseoir. Qu'a-t-elle dit? Que tu as encore fait? Je ne sais pas, Joe. Je ne sais pas. Depuis le matin, je ne fais que travailler. Elle m'a demandé de puiser de l'eau. Et même lorsqu'elle ne me demande pas, je puise de l'eau. Je remplis les fûts de toute la maison. Je lave ses habits. Je vais au champ. Mais malgré tout ça, ma propre mère ne peut pas me donner à manger. La femme que j'appelle ma maman. Elle me dit que j'ai pas le droit de manger ses repas. Qu'elle préfère en verser au sol. Elle préfère que les oiseaux mangent au lieu que moi, son fils, je mange. Oh, ça, c'est méchant de sa part. Mec, débrouille-toi avec ceci. Tu peux manger. Va chercher un autre jus. Va. Je prends une bouche avant que ça ne finisse. Allez, vas-y. Alors, mec, as-tu demandé à ta mère quel est le problème? Bien sûr.
Je lui ai demandé. Elle dit que je suis sans emploi. Hey. Que je ne fais rien et que je devrais quitter la maison. Ma mère connaît comment je me débrouillais quand j'étais en ville. Comment je me débrouillais bien. Juste parce que les choses sont dures pour moi maintenant. Elle me traite de sans emploi et de criminel. Hey. Mon Dieu, c'est injuste. C'est vraiment très injuste. Aïe, mon frère, que Dieu te bénisse. Hein? Merci vraiment. Merci pour tout. Tu en veux encore? Happiness, d'où est-ce que tu viens? Happiness, d'où est-ce que tu viens? Tu sors de chez un homme? Étais-tu avec un homme? Hé, hey, maman! Je suis allée chercher de quoi manger. Je suis allée chercher de quoi manger avant de mourir de faim dans cette maison. Hé! Hey! Qui parle? Happiness a poussé des ailes. Où es-tu allée chercher à manger? Tu es allée partout dans le village raconter que ta mère te maltraite, que je te prive de nourriture. N'est-ce pas, Happiness? Mais maman, ce n'est pas la vérité. Tu réunis tout le village pour dire que je ne te nourris pas? Comment oses-tu? Comment oses-tu me répandre? Ça ne va pas là. Happiness, tu as déjà poussé des ailes. Happiness, frappe-moi! Frappe-moi! Happiness, me voici! Frappe-moi! Frappe-moi! Frappe-moi, Happiness! Maman, laisse-moi tranquille, maman! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ferme-la! Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Ferme-la! Maman! Tu oses me questionner? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Laisse-moi te dire. Veux-tu déshonorer mon nom dans tout ce village? Ça n'arrivera pas. Ce qui se passe dans cette maison, reste dans cette maison. Maintenant, répète après moi. Ce qui se passe dans cette maison, reste dans cette maison. Ce qui se passe dans cette maison, reste dans cette maison. Maintenant, va dans la chambre. Prends la codéine et bois. Et va aux toilettes. Cette chose que tu as mangée doit sortir. Allez, vas-y. 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 N'importe quoi. Petite sorcière. Elle ne peut même pas pleurer. Elle ne peut même pas pleurer. Hein? Fais les tâches, elle ne peut pas le faire. Qu'ai-je fait à cette fille? Venez vous-même voir, oh, vous êtes tous mes témoins. Après, l'on dira que je suis méchante. Je ne suis pas méchante, oh. Je l'éduque seulement. Regardez mes aisselles. Pas de poils. Il n'y a pas de poils dessus, oh. Depuis ma naissance, tous ces poils sont sous ces aisselles. Obi, Obi. Maman. Es-tu en train de piler ce petit manioc? Depuis tout ce temps, tu piles encore. Non, maman, je viens juste de finir avec la soupe et j'ai pris le manioc. Et alors? Tu commences avec le manioc parce que tu as fini avec la sauce. Alors, tu as pris toute la journée rien que pour ce manioc et cette sauce. Non, maman, je finis bientôt. Je sais que tu as très faim. Tu finiras bientôt. Oui, je vais bientôt finir. Juste... Attends. Obi, donc si je ne venais pas ici, c'est ce que tu allais me servir? Maman, je t'ai dit que... Tu allais me servir ceci? Je viens... Si je ne venais pas ici, tu allais me servir ces bêtises. Maman, c'est quoi tout ceci? Qu'est-ce que c'est, maman? C'est quoi? Hein? Ça fait longtemps que je ne pilonne plus. Je ne peux plus le faire. C'est impossible. Mais pourquoi est-ce que tu me traites comme Attends ça? Attends un peu. Est-ce à moi que tu parles le français? Tu as fini de pilonner, tu ne peux le faire encore. Hein? Maintenant, assieds-toi et commence à piler ce manioc. Je ne le ferai pas. Assieds-toi et commence à piler. Obi, assieds-toi. Pile ça. Pile-moi ça. Ça ne va pas chez toi. Maman. Pile-moi ça bien.
File-moi ça bien, sinon ça ira très mal pour toi. Tu es prévenu. Franchement, je ne connais même pas quel est son problème, toujours en train de crier sur moi. Mon oncle. Oui. Voilà, je venais comme ça chez toi. En fait, il s'agit de ma mère, elle a encore recommencé. Je vais finir par lui faire quelque chose un jour, et vous, vous allez vous demander pourquoi j'ai fini par le faire. Un jour, je vais te casser sa tête. Si elle n'est pas ma mère, qu'elle me le dise tranquillement que je ne suis pas ta mère. Moi, j'irai chercher ma mère. Pourquoi me maltraiter? Pourquoi? Obi. Est-ce parce que je reste tranquille? Calme-toi, calme-toi. Je te l'ai dit maintes fois. Ne t'occupe pas d'elle. Je sais que Dieu te bénira. Et quand il te bénira, elle réalisera que tout ce qu'elle a bien pu te faire était mal. Ne t'inquiète pas. Mon oncle, j'ai été calme. J'ai été calme. Tu sais bien que j'étais calme. Oui, je vais pas être patient ce jour. Calme-toi. Je vais aller voir Okoro. Et je suis déjà en retard. Mais n'oublie pas de venir me voir chaque fois que tu as un problème. S'il te plaît. C'est pourquoi je venais chez toi pour te le dire. C'est bien. Oui, pour te le dire. Ça va aller. Ça va aller. Allons-y. Après. C'est pour ça que je suis venu, pour te le dire. Mais s'il te plaît, n'oublie pas. N'oublie pas de venir me voir quand tu as un problème, ok? Incroyable. On entendra parler de tout dans ce village. Qu'est-ce que c'est? T'as transformé la boutique de ta mère en lieu de commérage. Hein? Que veux-tu dire par là? En fait, je ne t'en parlerai plus. Eh bien, depuis que je te connais, tu ne m'as jamais dit quelque chose de sensé. Attends. Que viens-tu tout juste de dire? Moi, ton ami, je n'ai jamais dit quelque chose de sensé de ma vie. Allez. Debout. Mais debout quoi? Lève-toi et va-t'en de ma boutique. Ah, comprends. Va-t'en, tu es folle. Bravo, mesdames. Bienvenue, monsieur. S'il que voulez-vous? La bière, donnez-moi une. Ok, je reviens. Jésus mon sauveur m'a libéré, oh, et je suis délivré, oh Jésus, oh. Et je suis délivré, oh, Jésus mon sauveur m'a libéré, oh. Jésus-Christ mon sauveur m'a libéré, oh, et je suis délivré, oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout le temps avec Jésus m'a libéré? C'est quoi avec ce Jésus partout? Hein? Toujours en train de chanter le nom de Jésus. Combien de fois t'ai-je averti? Combien de fois t'ai-je averti d'arrêter de troubler mon sommeil avec toutes tes chansons? Tais-toi et balaie. De cette façon, tu réaliseras plus. Désolée, maman. Mieux de toi, Jésus t'a libéré. Que sais-tu de Jésus-Christ? Toujours en train d'appeler le nom de Jésus. Regarde-moi ça. Essaie encore voir. Jésus, mon sauveur, m'a libéré, oh, et je suis délivré, oh, mon sauveur m'a libéré, oh. Pourquoi fais-tu encore? Qu'il te libère vraiment? Anophia! Sale petite bâtarde! Je ne sais même pas comment tu t'es retrouvée dans mon utérus. Idiote! Essaie encore voir, il m'a délivré. Tu ferais mieux de venir finir de balayer, oh. Madame, il m'a délivré. Maman, bon après-midi. Qu'est-ce qui est bon avec l'après-midi? Pendant que tu as refusé de te rendre utile avec tes mains. Hein? Anophia, tu me souhaites bon après-midi. Pourquoi ne réponds-tu pas? Viens là. N'as-tu pas un brin de cervelle? Hein? Maintenant, prends ce seau. Débarrasse-moi de ce seau. Vas-y, prends. Dépêche, va dans la chambre. Rassure-toi de prendre tous les habits sales et lave-les maintenant. Ne laisse rien traîner. Siwo, tu me souhaites bon après-midi. Devrais-je me réjouir? Pourquoi? Dépêche-toi d'aller les laver. Pourquoi ma propre mère me traite aussi mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Attends, Cello, une minute. T'es
Ai-je entendu dire quelque chose? Non. Que disais-tu quand je suis partie? Que disais-tu derrière moi? Que j'ai épuisé de l'eau, c'est ce que je disais. Tu ferais mieux d'aller puiser cette eau à nos filles. Une minute. Ne disait-il pas quelque chose avant que je vienne? Comment une femme peut-elle donner naissance à un enfant et par la suite décider de ses propres mains de tuer cet enfant? C'est inimaginable, ça. De quoi parles-tu? Mon ami subit, il subit beaucoup de choses dans la maison de sa mère. Je n'arrive même pas à y croire. Et de toute façon, tu n'as pas à... Et si tu veux mon avis, tu n'as pas à blâmer cette femme. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens de nos jours, s'engagent dans des actes impies. Et certains parmi eux fument, courent les jupons, volent, et quand... Toutes ces choses... Mon ami n'est pas comme ça. Tu ne connais pas mon ami, laisse-moi te dire. Obi, que je connais. Si j'ai de l'argent, je vais l'adopter dans cette maison. Hey. Je te dis la vérité. Alors si c'est vrai ce que tu dis, cette femme est méchante. Elle est méchante. Cette femme est en fait méchante. Je te dis qu'elle est cruelle. Izuku. Hey. Sortie de cette maison. Hey. De toute façon, je pense que la meilleure chose est... Je pense que je... Ton ami a-t-il fait quelque chose? Non. Ok. Y'a rien. Tu sais, Lucie, laquelle de tes amis parle au nom? Obinkai, Obi Okeke, Obinebe Okeke. Obinkan. Obi. Bien sûr. Ce garçon calme et gentil. Bam. Incroyable. Obi. Et dans ce cas, je pense que c'est parce que sa mère le voit tout le temps. Oui. Ça doit être le problème. Oui, tu as peut-être raison. Oui, je pense que si Obi travaille maintenant, sa mère n'aura plus le temps de le harceler. Bien dit, je pense que je vais le conseiller. Tu ferais mieux. Je vais le conseiller. L'oisivité est la mère de tous les fils. Tu as raison. Quoi? Ne te rends pas le diable. Nketchi. Nketchi! Papa! Hey. Papa? Ma fille, ma jolie petite fille. Je suis en train de sortir. Hein? Essaie d'aller à la boutique de Mama Ada. Hein? Et récupère ma prise chez elle. Tu m'entends? L'argent. C'est quoi ça? Quel argent? Dépêche-toi d'aller où je t'ai envoyé. Papa. Papa. Ouais. Papa, je commence à te suspecter, oh. C'est comme si tu as une affaire avec cette femme. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu es folle? Je ne le suis pas. Je ne suis pas stupide. Si j'étais stupide, je n'allais pas remarquer que je vais souvent chez cette femme prendre des prises sans payer. Papa. Maintenant, je te demande en tant que ta fille, entre père et fille, dis-moi rien que la vérité. Il se passe quoi avec cette veuve? Regarde-toi. Non, mais est-ce que tu as quelque chose à voir avec ça? Gna 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 gna. Maintenant, va faire ce que je t'ai dit et arrête de me poser des questions. Et la prochaine fois que tu vas me poser ce genre de questions, je verrai si je peux utiliser cette canne sur toi. Que je revienne et ne trouve pas cette prise. Ah! Gna 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 gna. N'importe quoi. Tu ne veux pas te confesser? Tu ne veux pas dire la vérité pour que je t'aide? Ah! Hey! Lucie. Salut ma puce. Comment tu vas? Je vais bien. Alors d'où viens-tu? Et où vas-tu? Je pars acheter de la prise à mon père. Oh, c'est gentil. Lucie, il y a quelque chose que je veux te demander. Qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas comment le dire, mais je dois le dire parce que ça fait longtemps que ça me dérange. C'est à propos de l'ami de ton ami. Oh. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Relax. Rien. C'est juste que... je l'aime bien. Et chaque fois que je veux lui parler, il ne me donne pas l'opportunité. Son visage est effrayant. S'il te plaît, je veux que tu parles avec lui. Hein? Que je fasse quoi? Lui parler. Non, 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 non. Hey! Alors tu veux que je sois tabassée, n'est-ce pas? Hein? Tu veux qu'il me tabasse, vrai? Oh. Non, écoute, tu sais que tu es ma meilleure amie. Mais pour ceci, je ne peux pas t'aider, Biko. Hein? Pourquoi parles-tu comme ça? Est-il une personne méchante? Ou voit-il quelqu'un d'autre? Tu sais quoi? Et si tu le vois, demande-lui. Quant à moi. Ah! Non, non, non. Lucie! Ok, Lucie, attends. Peu importe. Je suis une Ketty et j'obtiens ce que je veux. Où est-il passé? Adam! Adam! Oui, monsieur. Laisse-moi te dire, si je t'appelle encore 3 fois, je vais me couper, toi. Es-tu stupide? Désolé, monsieur. Ah, ah, quelqu'un est-il venu me chercher? Oui, monsieur. Il y a cette femme dont la voiture a eu une panne en route. Elle dit qu'elle t'appelle et tu ne prends pas ses appels. Jésus! Non! Et depuis le matin que je suis ici, tu ne peux pas! Jésus, regarde-moi ce garçon! Et allez, va porter les outils pour qu'on aille travailler! Oui, monsieur. Désolé, monsieur. C'est bon, je vais m'asseoir. Mon ami, hein? Apporte-moi ma nourriture. Apporte-moi ma nourriture. Allez. Que tu n'as pas pris assez de prise pour moi cette fois-ci. Hey! Ok. Papa, bonjour. Bonjour, ma fille. Comment tu vas? Papa! Oh! Papa, je veux te parler. Ok, vas-y, je t'écoute. Papa. Hmm? Papa, m'aimes-tu vraiment? Pourquoi est-ce que tu me poses ce genre de questions? Ketty, tu es mon unique enfant. Tu es tout ce que j'ai et je t'aime beaucoup.
Hein? Il n'y a rien que tu peux me demander de faire que je ne pourrais pas faire pour toi. À cause de l'amour que j'ai pour toi. Alors, arrête de boire. Arrête ça. Ma fille. Ce n'est pas que j'aime boire de l'alcool. Mais quand je pense que ta mère n'est plus avec nous, pour voir comment tu as magnifiquement grandi, et ce comme si c'était elle en personne, je trouve refuge dans la boisson. Refuge dans la boisson? Dis-moi, quel genre de père es-tu? Tu ne te soucies pas de moi! Tu ne te soucies même pas de mon bonheur! Tout ce que tu fais, c'est de boire, boire et boire! Et tu dis que tu m'aimes? Papa, je te demande, quel genre d'amour c'est? Mais quel genre d'amour es-tu? Eh ben, je... Oh. Maman? Maman, regarde, j'ai tout vendu. Bien. Pourquoi souris-tu? Va à l'intérieur de la maison, derrière la porte de la cuisine. Tu verras un tas d'habits. Porte tout et lave-les. Ensuite, entre dans ma chambre sur le lit. Il y a un autre tas d'habits. Ils étaient dans ma valise et ont déjà une mauvaise odeur. Lave-les aussi. Va aussi dans la garde à manger. Hein? Nettoie tout. Sors ces mamites sales. Lave-les. Enlève toutes ces choses noires, hein? Quand tu auras fini, tu entres à la cuisine. Nettoie très bien la cuisine. Je ne veux pas voir les toiles d'araignée. Enlève toutes ces toiles. M'as-tu entendu? Bien. Après, entre dans les toilettes, hein? Tu vois ce bidet? Lave-le très bien, si possible, mets ta main à l'intérieur. Après tout, tu es celle qui l'utilise plus que tout le monde. Tu t'enfermes dans les toilettes. Tu y restes comme si tu accouchais. Lave très bien. Je n'ai jamais vu une fille qui mange sans contrôle. C'est toi qui manges. Tu manges, tu manges. De toutes les façons, toutes ces choses que j'ai mentionnées, tu les fais en moins d'une heure. Tu m'as compris? Maintenant, va à l'intérieur et fais ce que je t'ai demandé de faire. Maman, s'il te plaît, puis-je me reposer d'abord juste un peu? Je suis très fatiguée. Te reposer? Que viens-tu de dire? Je devrais te laisser te reposer. Pour que tu deviennes une fille paresseuse, de quoi veux-tu te reposer? Tes égos sont à l'école. Reviens et vends de la banane. Lave les habits. S'occupe de la cuisine. Cherche du bois et en plus fond la cuisine et ne se repose pas. Mais toi, parce que tu as juste vendu la banane, tu veux te reposer. Allez, va à l'intérieur et fais ce que je t'ai demandé de faire. Tu veux devenir paresseuse. Reviens ici. À qui as-tu laissé ça? Maman... Vas-tu enlever ça hors de ma vue? Dégage d'ici! Dégage avant que je ne te tue! Fille stupide! Petite paresseuse! C'est comme ça qu'elle se comporte! J'essaie d'éduquer cette fille, mais vous me regardez tous comme si j'ai fait quelque chose de mal. Dites-moi un peu, ai-je fait quelque chose de mal? Tu formes un enfant pour être travailleur! Pour que demain il devienne un grand leader. Si tu fais ça, elle deviendra un grand leader demain. Ah non, fier, quel leadership même. Je ne vais pas bien du tout. Je ne vais pas bien. Sais-tu qu'après avoir vendu la banane qu'elle m'a demandé de vendre, elle m'a encore demandé de faire les tâches ménagères. Et après avoir fini, elle m'a puni en me demandant d'aller au marché. Es-tu sérieuse? Ta mère ne va pas te tuer un jour. Elle ne le fera pas. En ce moment, je te parle. Pour le
corps me fait mal avec la bastonnade qu'elle m'a infligée. Désolée, Ya. Tu iras bien. Tu sais, je t'ai cherché. Comment as-tu fait, finalement? Eh bien, je vais mieux maintenant. Je suis très heureuse de te voir. Tu sais, il y a cette joie, ce réconfort à chaque fois que je suis avec toi. Tu sais que tu es ma meilleure amie. Es-tu je suis très sûre? Heureuse en ce moment. Je veux que tu viennes chez moi. Il y a quelque chose que je veux te dire. Mbao. Ha! Je ne peux pas. Vu le genre de mère que j'ai, elle va me tuer. Ha! Et tu dis être mon amie? Hein? Tu es mon amie et tu ne connais pas ma maison. Je veux te dire quelque chose. Hein? Viens juste. D'accord, je vais essayer. Je vais faire des efforts. Tu sais, ma mère est très forte. Si elle bouge juste un peu le corps, je suis finie. Ok. Je vais te montrer le chemin. Quand tu vas droit, hein, au bout de la route, prends comme ça. Tu verras un grand palmier. Un grand palmier. Tourne à cet endroit, tu verras ma maison y est. Beau gosse. Ah. Beau gosse, c'est à vous que je parle. Quoi donc? Parlez, je suis pressée. Je sais, accordez-moi juste un peu de temps. C'est une question de vie ou de mort. Ok, alors dites-moi qui veut mourir et qui veut vivre. Je quoi? Mais parlez. Je vous aime bien. Vous m'aimez? Oui. Alors, vous m'aimez, c'est pour ça que vous m'avez perdu du temps pour me le dire. Hein? Tu sais quoi? Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Je te le dis. Ah, beau gosse. Cette humiliation est de trop. Mais même dans la colère, il est toujours mignon et beau. Patiente, parce que malgré tout, elle reste ta mère. D'accord? Je sais. Et c'est pourquoi je supporte tout ce qu'elle peut bien me faire. Et tu sais, rien ne peut plus me surprendre venant d'elle. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal, Joe. Ça me fait mal que cette femme que j'appelle ma mère, me traite de cette façon comme une immonde. Ma chère. Je sais comme cela peut briser le cœur. Comme ça peut être démoralisant. Je sais tout ça. Mais bon, tu dois supporter. D'accord? Ça va aller. Je pense que j'irai bien. Ça va aller. Allons-y. Désolée.
Adams! Adams! Monsieur! Oui, monsieur. Rassure-toi de bien fermer cet atelier. Je suis sur le point de partir. D'accord, monsieur. Bien. Lucie. Il fallait voir Lucie, comment il m'a humiliée. En ces moments, j'ai cru que la terre allait s'ouvrir et m'engloutir. Eh, vraiment? Mais je t'avais prévenu. Je t'ai dit que c'est une personne très réservée. Je le savais. Mais à peine être une personne réservée. Je sais aussi que quelque chose le préoccupe. Oui, je sais. Et je pense que mon frère saura beaucoup de choses à ce sujet. Ah, et même ça. Et même si quelque chose le préoccupe, il aurait dû être au moins poli. Tu sais, être doux à une femme, il devrait être doux. Attends, laisse-moi te poser une question. Laisse-moi être sincère avec toi. Si tu étais un homme, accepterais-tu une femme qui se comporte comme toi? Hein? Non, 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 regarde comment tu es habillée. Regarde tes habits. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ceci sont pour la fantaisie. Toi et moi le savons. Regarde. Tout ceci, toi-même regarde. Tu dois t'habiller comme une femme. Hein? Ce n'est pas juste. Après, il va aller partout, salir mon nom. Salir ton nom comment? Comme si tu ne connais pas ces garçons. Il va aller dans tout le village raconter que la toute-puissante Nketi l'a dragué. Bam, 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 bam. Et je ne tolérerai pas ça de toi du tout. Ce garçon n'est pas comme ça. Et tout ce que tu as fait, c'est de lui donner du temps. Tu dois te calmer, non? Il n'est pas comme ça. Donne-lui juste un peu de temps. Tu comprendras ce que je vais dire. Non, Lucie, je ne suis pas de bonne humeur. Je te verrai plus tard. Hey! C'est quel genre d'amis que je fréquente? Regarde comme une femme se comporte comme un homme. Tout ça. Ah. Tu vois une belle femme qui se comporte comme un homme. Comment veux-tu qu'un tel homme t'accepte, non? Regardez le genre d'amis que je fréquente. Comme un homme, un vrai. Ah. Que Dieu t'aide. Grand frère, bon après-midi. Bon après-midi. Grand frère, je suis confuse. Pourquoi tu parles toujours seul? Je ne fais pas de soucis. Je ne comprends pas pourquoi nous souffrons. Honnêtement, peux-tu imaginer que même pas un seul client est passé à mon atelier aujourd'hui. Et comme je te parle à l'instant, je n'ai même pas un seul sou avec moi. Grand frère, je t'ai toujours parlé de la patience. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu, c'est quoi? Comment peux-tu ouvrir ta bouche pour dire que le temps de Dieu est le meilleur? Est-ce que quand je serai vieux et que je mourrai, que le temps de Dieu viendra? Laisse-moi te dire la vérité. De toute façon, je n'ai pas de mots à changer avec toi. D'où sors-tu? Grand frère, je suis allé voir mon ami.
As-tu préparé quelque chose? Grand frère, il n'y a aucune nourriture. Hey. Hey. Tu vois ce que je dis? Mais tu vois ce que je dis? Tu vois? Je ne peux même pas te donner un peu d'argent pour que tu puisses préparer. Tu vois ce que je dis? Hein? Tout devient difficile dans ce village. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Sois juste patient. C'est tout. Hey. Je crois au temps de Dieu. Tout va bien ici, ma chère. Bien sûr. Qui? Happiness? Elle va bien. Tu la connais, non? Toujours en train d'attirer la pitié. Ne t'inquiète pas pour elle. Je te rappelle. Viens là. Reviens là. Tu veux dire que tu n'as pas lavé ses habits? Je pensais que tu l'avais fait depuis le matin. Donc c'est maintenant que tu vas aller les laver. En ce moment de la journée. Qu'est-ce que c'est? De toutes les façons, c'est ton problème. Tu sais que tu les laveras. Après avoir fini de les laver, tu iras au marché vendre ma banane. Si tu veux, laisse que ça se gâteau. Si tu veux, mange Léo. Si tu veux, vends Léo. Ce que je sais, c'est que tu me donneras mon argent. Si tu veux, si tu ne veux pas, oh, tu me payeras. Répète. Je payerai. Bien, tu payeras. Dis oui, maman, je payerai. Oui, maman. C'est bien. Hors de ma vie. Tu n'as même pas pris le savon. Reviens ici. Apporte ça à la salle de bain. Va les laver à la salle de bain. Va avec les habits et puis reviens chercher le seau. Va avec à la douche et puis reviens chercher le seau pour que tu puisses aller puiser de l'eau. Ah non, Fia. Elle ne sait même pas comment s'organiser. Oh, m'as-tu toisé? Non. M'as-tu toisé? Allô? Non, 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 ce n'est personne. C'est un homme qui voulait... C'est très lourd pour moi. C'est très lourd pour moi supporter comment ma propre mère peut-elle me traiter comme une rejetée. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de méchanceté et de haine? Qu'est-ce qui se passe? Tonton, sais-tu que j'ai profité pour venir ici lorsque je suis allée vendre ma banane? Tonton, vous devriez venir l'avertir, oh. Venez l'avertir. Sinon, un jour, vous allez vous réveiller, vous allez venir porter mon cadavre. Viens l'avertir, tonton. Ce qu'elle me fait n'est pas juste, tonton. Ah. Ah, ah. Je ne sais pas pourquoi Dago est comme ça. Hein? C'est la raison pour laquelle personne n'est venu l'épouser après ta naissance. Hein? Mais ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer qu'elle ne te fasse plus souffrir. Oui, je vais m'assurer. Tonton, tu ferais mieux de le faire. Tu ferais mieux de le faire, tonton, et de le faire le plus rapidement possible, tonton. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne suis pas prête à mourir. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Vas-y, va vendre tes bananes. Laisse-moi gérer ce problème. Hein? Je vais lui montrer qui je suis. Hein? N'est-ce pas, Daku? C'est ma sœur, bien sûr. Je sais comment la traiter. Ne t'inquiète pas. Je te fais confiance. Je devrais partir, tu viens? Bien, je m'en vais, ne t'inquiète pas. Tonton, ne tarde pas. J'arrive tout de suite. Ah, Adaku. Pourquoi est-ce que tu... Ne t'inquiète pas, vas-y, j'arrive. N'importe quoi. C'est la raison pour laquelle personne n'a voulu l'épouser quand elle t'a accouché. Hein? Aga.
aneme mie okobore mie ne keri ganda ndaga ne koken abumada ne t'en fais pas, j'arrive là-bas, je vais m'occuper de toi, n'importe quoi. Adako, pourquoi est-ce que tu traites cette fille comme si elle n'était pas de ton sang? Oh, hein? C'est de Happiness que tu es venu parler. Tu veux l'éduquer? Ah. Veux-tu l'éduquer? Bien. Au cas où tu as oublié, c'est la même Adako que tu as connue quand tu étais jeune. Je suis toujours tenace comme tu m'as connue. Je n'ai pas changé. Alors maintenant, lève-toi et va gérer ta maison pendant que je gère la mienne. Ah. Ne viens pas me poser des questions. Adako, m'bourrone gangbori. Hein? Je sais pourquoi je le dis. Afin que le sol me soit témoin, cette fille a assez souffert entre tes mains. Hein? Des fois, tu lui refuses à manger. Et qu'est-ce que tu y gagnes? Dis-moi. Est-ce ta joie? Ou tu as une nouvelle copine au nom de joie? Ah. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je t'en prie avant qu'on ne dise que j'insulte mon frère. Quitte ma maison. Ah. Oui, je sais que c'est la maison de papa. Tu as construit la tienne. Ok. Ton passe-temps maintenant, c'est t'asseoir avec Happiness et parler de moi. Faire du commérage. Hey! Tu colportes maintenant avec Happiness. Et je suis le sujet de votre discussion. Es-tu sûr que c'est juste du commérage que vous faites? Ce n'est peut-être pas autre chose. Adako, arrête cette histoire de père. Hein? Adako, si tu ne changes pas, je n'aurai pas d'autre option que de te dénoncer au Conseil des Anciens. Oh! Tu ne m'as pas encore dénoncé? Je pensais que tu l'avais déjà fait. Qu'attends-tu? Je dis va me dénoncer. Va me dénoncer. Qu'est-ce que tu attends? Regarde-moi cet homme. Comment oses-tu venir chez moi et me parler n'importe comment? Ça ne va pas chez toi? Je t'ai dit va-t'en de chez moi. Ce commérage que tu faisais étant jeune. Tu continues. Toujours en train de faire des ragots. Qu'est-ce que c'est? Va-t'en de chez moi. Alors tu ne t'es pas encore va-t'en répondu. Avant que je ne change d'avis. Va-t'en. Anofia. Pas de problème. D'accord, continue. Pas de problème. Toujours en train de raconter des choses. Commère, même étant vieux, tu fais toujours des commérages. N'importe quoi. Il ose troubler ma tranquillité. Happiness, quand tu reviendras, je vais m'occuper de toi. Adako ose m'insulter. Hey, elle m'insulte. Un homme respectable comme moi. Je croyais qu'elle avait changé. Maintenant, elle est même pire. Hey, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas la voir. Si ce n'était à cause de cet enfant qu'elle maltraite, tu t'imagines? Mais ne t'inquiète pas, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Hein? Le conseil des anciens doit être au courant de ça. Hein? Adako, ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. Je suis en train de te dire que je sais ce que je veux. Ewo, Adako, tu ne me tueras pas. Adako ne me tuera pas. Où est-ce qu'elle est? Va me chercher ce que je peux utiliser pour... Adako, tu vas voir. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas pris ton argent. Maman, tu étais le seul ici. Je n'ai pas pris ton argent. Vérifie bien. Je devrais bien vérifier. Alors maintenant, tu me traites de menteuse. Je suis devenue une menteuse pour toi. Maman, je ne te traite pas de menteuse. Je n'ai pas pris ton argent. Tu as pris mes 5000 naira. 5000 naira. Maman, je n'ai pas pris ton argent. Vérifie très bien. Peut-être que tu as acheté un truc et tu ne te rappelles plus. J'ai acheté quelque chose sans savoir. Tu veux dire que j'ai perdu la mémoire? Je perds la mémoire? Hein? Obi, donne-moi mon argent. Je te dis de donner mon argent. Donne-moi mon argent. Je n'ai pas Donne-moi pris mon ton... argent. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Maman, s'il te plaît, donner. Je n'ai pas ton argent. Tu ne veux pas me le remettre? Je n'ai pas ton argent, maman. Tu ne me remets pas mon argent? Tu veux me dire que je t'accuse pour rien, n'est-ce pas? D'accord. Une minute. Reste là, j'arrive. Cherche bien ton argent. Peut-être tu l'as gardé quelque part et tu ne te rappelles plus. C'est ce que j'essaie de te dire. Hey! Maman, hein? Qu'est-ce que c'est? Reviens là. Obi, reviens. N'ose pas t'enfuir. Donne-moi mon argent. Je n'ai pas pris ton argent. Remets mon argent. Obi, reviens avec mon argent. Maman, laisse-moi Reviens par ici. Je n'ai pas pris reviens ton par argent. Ici. Je n'ai pas pris ton argent. Tu as pris mon argent. Maman, criminel, je n'ai pas pris ton voleur, argent. Viens remettre mon argent. Maman. Est-ce moi que tu questionnes? Maman, arrête. C'est moi que tu maman, questionnes. Maman, je n'ai pas. C'est moi que tu questionnes. Ignore, reviens. Maman, reviens par moi. Ici. Reviens. Obi. Maman. Tu me questionnes? Ignore. Reviens ici. Reviens. C'est quoi le problème de ces gens dans ce village? Mon cher, je ne sais honnêtement pas. Tout le temps, une histoire après une autre. Sont-ils les seuls parents dans ce village? Écoute, j'en sais rien. S'il te plaît, allons-en. Allons-y, Diary.
C'est terrible. Tout le temps, ils ont des problèmes. Toujours dans les problèmes. Acheter de la banane? De la bonne banane bio? Acheter de la banane? Acheter de la banane? Hé, Timo, môme! Hé, ces garçons! Attends! Hé, Timo! Hé, ces garçons, Mathieu! Ouvre-moi! Timo! Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Tu veux me faire courir? Tu reviendras me trouver dans cette maison. Petit bâtard, criminel, des égaux sont en ville. Travaillent et se font de l'argent pour aider leur famille. Tu es ici au village pour voler, espèce de voleur. Tu reviendras. Et où? Hein? Tes égaux sont tous en ville. Qui sait ce qui t'a fait quitter la ville et qui t'empêche de rentrer pour avancer et travailler? Et où? Un fou paresseux. Anoria, Efune est fou. Je t'attends ici. Tu reviendras me trouver. Mabi, tu reviendras. Tu finiras par revenir. Tu vas me donner mes 5000 naira. Tu vas me les donner. Et où? Hey! Tiens! Obi, donc tu veux me dire que ma sœur, qui est ta mère, t'as pourchassé à travers tout le village avec une machette, juste à cause de 5000 naira. Oui, mon oncle. Elle dit que j'ai volé son argent. Ok. Attends, dis-moi. Es-tu sûr que tu n'as pas touché à son argent? Ah, mon oncle. Comment tu peux me dire ça? Tu ne me fais pas confiance. Pourquoi aurais-je pris 5000 naira de ma mère? Hein? Quand j'étais en ville, je m'en sortais très bien de moi-même. Je lui envoyais plus que ça. Et est-ce parce que je suis sans emploi? Maintenant, elle m'accuse de lui avoir pris 5000 naira. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je n'ai pas pris son argent. Écoute, tu sais pourquoi je te le demande? Je veux vraiment être sûr. Parce que je sais que depuis ton enfance, tu n'as jamais touché à la chose de quelqu'un. Mais même si tu as pris son argent, n'est-ce pas ton argent? N'est-ce pas ton argent? Pourquoi ma sœur Ngozi se comporte de la sorte? Aïe! Juste à cause de 5000 naira. Elle traîne le nom de la famille dans la boue. Et aussi en me déshonorant. Elle me traitait de tous les noms, d'oiseaux devant tout le monde, devant tout le village. Que j'ai volé son argent, patati patata. Hein? Pourquoi me traiter de la sorte? Si elle n'est pas ma mère, qu'elle me le dise. Qu'elle me le dise en face. Écoute, j'ignore vraiment pourquoi Ngozi se comporte ainsi. Ça va aller. Je suis encore venu te le dire. Ce que je peux te dire maintenant, c'est de te calmer. Écoute quoi qu'elle dise. Ne réponds pas. Je vais la voir. Tonton, s'il te plaît. Je vais te mieux pas de lui parler. La voir. D'accord? Écoute, attends-moi ici et je m'en vais la okay, voir. Ok, tonton, j'attends. Timo! Maman! Timo! Maman! Alors c'est toi! Toi! Donc tu as l'audace de me dénoncer à mon frère? Tu as l'audace? Tu vas faire. Tu vas faire. Tu vas me dénoncer! Tu es folle! Maintenant, donne-moi mon argent! Donne-moi mon argent! Dépêche-toi! Maman, je n'ai aucun argent, Que veux-tu dire par là? J'ai pas d'argent, maman, je te jure. J'étais en train de vendre la banane quand un garçon est venu de nulle part. Il a renversé mon plateau et puis la banane, maman. Pardon? Ça s'est fait maman. Et dada, Kwanya. C'est fini.
vous. Cette fille a ruiné mon commerce. Je vais te tuer aujourd'hui. Happy. Timo. Hey. Oh. Que quelqu'un m'aide. Oh, c'est quoi, Timo? Que quelqu'un m'aide. On l'a attaqué au marché. Un voyou l'a attaqué. Et elle s'est évanouie. Hey! Venez-o! Timo! Maman Inès! Non, elle est à côté. Maman Inès! Oh! Où est Ngozi? Où est Ngozi? Ngozi! Ngozi, viens. Ngozi, viens là! Tu es où, Ngozi? Qui me cherche? Viens là. Je dois te parler, allez. Nous devons discuter. Allez, viens, vite. Hein? Dis-moi, pourquoi veux-tu salir? Pourquoi tu décidais de salir le nom de notre famille? Est-ce que tu peux me répondre? De quoi veux-tu parler? Que veux-tu dire par pourquoi tu décidais de salir le nom de notre famille? Pourquoi? Oh, Guinée, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh! Il s'est donc plein chez toi? Alors, il est venu dans ta maison pour se plaindre chez toi, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Il n'est pas venu chez moi. Je l'ai vu courir dans tous les sens comme un fou dans la rue. Et je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas du tout ça. Écoute ça, je te le dis parce que je suis ton frère aîné. Contrôle ta colère. Contrôle ta colère pour que ça ne nous amène pas à quelque chose de terrible. Il a fait quelque chose de terrible. Oui, il a volé mes 5000 naira. Et Dieu a vraiment été avec lui aujourd'hui, parce que ces trois garçons n'étaient pas dans les environs quand ça s'est passé. Sinon, il serait déjà 6 pieds sous terre à l'heure où nous parlons. Dieu a vraiment été avec lui. Écoute-toi. Écoute ce que tu souhaites à ton fils. Va. Tu maudis, tu souhaites la mort à ton fils. Ngozi, honte à toi. Honte à toi, Ngozi. Qui est mon fils? Celui-là? Celui-là est une erreur de jeunesse pour moi. Obi, c'est une erreur. Je n'ai jamais voulu de lui. Attends. Est-ce à cause de 5000 naira? 5000 naira, c'est à cause de ça que tu racontes tout ceci. Tu veux que le ciel tombe? Si ça pouvait tomber ici, je n'aurais aucun problème avec ça, idiot. Rappelle-toi que je suis ton frère aîné. Rappelle-toi que je suis ton frère aîné. Fais attention. Mais ici. Viens chez moi. Et pour quoi faire? Viens chez moi prendre ton argent. Je devrais venir chez toi prendre cet argent. Oui. Es-tu sûr que tu as 5000 naira? Viens chez moi, j'ai de l'argent. Viens chez moi. D'accord, je vais venir. Je vais venir prendre cet argent. Ne pense pas que je vais renoncer à le prendre. Je viens prendre si mon argent. Si tu ne viens pas, ne t'attends pas à ce que je vienne ici avec cet argent. Je vais venir le prendre. Mais pour ton information, n'en suis jamais pour chasser ce garçon. Arrête ça. Que je ne le pourchasse plus. Monsieur le protecteur, tu peux aller. Il est venu se plaindre chez toi parce que je suis mauvaise. Il reviendra me trouver ici. Je suis là. Il reviendra toujours me retrouver ici. Hein? Il reviendra sûrement ici. Il me trouvera ici. Hé! Hey. Grand frère! Hé, hey, mon Dieu! Grand frère! Hein? Hé, hey, grand frère! Et donc, Jesse, tu ne sais pas ce qui se passe dans ce que village. Que se passe-t-il? Hey, grand frère, c'est grave. Grand frère, ton ami Obi, sa mère, le pourchassé dans tout le village avec la machette. Quoi? Que dis-tu? Une humiliation. Mais c'est quel embarras, ça, hein? C'était plus que de l'embarras. Hein? Pourquoi cette femme ne laisse pas une minute de paix à son garçon? C'était plus que de l'embarras. Hein? C'est méchant. Et c'est quoi cette bêtise? C'est quoi tout ceci? Grand frère, cette femme est méchante. Hey! Grand frère, cette femme est méchante. Elle est cruelle, cette femme est maléfique. Hey!
Non. Mon frère, si j'étais ton ami Obi, moi personnellement, je quitterais ce village et personne ne me verra. Personne ne verra, même pas ma trace. Izuku, je pense que je vais dire à Obi de s'enfuir. Tu ferais mieux de le faire, oh. Hein? Mais c'est quoi cette histoire? Tu ferais mieux de le faire. C'est quoi tout ceci? Hey, cette femme est vraiment méchante, hein? Très méchante. En passant, tu l'as trouvée chez elle? Grand frère, tu ferais mieux de parler à ton ami, parce que cet homme ne... Tu l'as trouvée chez elle? Laisse-moi ce sujet maintenant. Grand frère, je l'ai vue et elle arrive. Et c'est juste ce que je voulais d'abord te raconter cette histoire, non? Elle arrive. Elle arrive. Lucy. Grand frère. Lucy. Hey. Mm-hmm. Hein? C'est quoi cette histoire? Hein? Ah! Pourquoi les mères se comportent-elles ainsi? Hein? Si tu le veux, tu peux partir de cette maison, hein? Tu vas m'expliquer aujourd'hui pourquoi tu es allé me dénoncer chez mon frère. Viens là, Obi. Mbia, tiens-toi à cet endroit. Viens te tenir ici. Tu vas me dire aujourd'hui pourquoi tu es allé me dénoncer chez mon frère. Je ne t'ai pas dénoncé, je lui ai juste dit ce qui se passait. Ce n'est pas un étranger pour nous. Alors tu es simplement allé lui dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? N'est-ce pas ça qu'on appelle une plainte? Tu as de la chance. Je te pardonne. Parce qu'il m'a demandé d'aller chez lui prendre l'argent que tu m'as volé. Ça, c'est la seule raison pour laquelle je te pardonne. Maintenant, dégage. Dégage hors de ma vue. Petit bâtard. Idiot. Après, tu viens me remplir ce feu. Je ne veux plus voir ce feu vide. Hein? Que je ne le trouve plus vide. Je ne te porte plus. Tu en as fait assez. Je sais que tu fais semblant. Biko, Biko, monte là. Assieds-toi et repose-toi. Juste ce petit coup que je t'ai donné. Tu t'évanouis. Tu penses que je ne sais pas que tu fais semblant? Hein? N'importe quoi. Tu as gaspillé tout mon argent. Laisse-moi te dire, l'argent que j'ai dépensé à l'hôpital et mon argent de banane, je te dis que tu vas tout rembourser. Bêtise, assieds-toi là et repose-toi. Je vais à l'intérieur, reste là. Tu es encore là à pleurer? Ma chère, lève-toi. Debout. Va préparer ce qu'on va manger. Ne me perds pas le temps. Garde mon téléphone à l'intérieur, je vais me reposer. Je devrais être celle-là qui se repose. Ce petit coup sur la tête, tu t'évanouis. Va nous faire à manger, je vais te donner à manger aujourd'hui. Je vais te donner la nourriture aujourd'hui. N'importe quoi, mon dos. Aïe, en voulant aider cette fille, maintenant j'ai mal. Ça fait un peu mal. Happiness. Alors, c'est vrai? Chai. J'ai appris ce qui s'est passé alors. J'ai décidé de venir immédiatement. Ojo. Ojo, si j'ouvre ma bouche pour te raconter tout ce que j'endure dans cette maison. Si je te dis tout ce que ma mère me fait endurer, je t'assure que tu ne me croiras pas. Peux-tu croire que c'est ma mère qui m'a fait ça? Est-ce que tu peux vraiment le croire? Ta propre mère. Ma propre mère. Hey! Happiness, tu dois vraiment faire très très attention. Très attention. Tu sais que tu es toute seule. Hein? Fais très attention pour ne pas mourir. Hein? Où est ta mère? T'inquiète pas, elle est sortie. Elle est sortie, c'est pour ça que nous avons cette conversation. Attends. Cet idiot, qui a causé ce problème? L'as-tu vu?
Je l'ai vu deux fois cette journée. Je l'ai vu en matinée et dans l'après-midi. Tu veux que j'aille avec toi? Tu sais, je peux t'aider. Je peux t'aider à casser ses dents. Tu sais qu'il est la cause de ce problème. Ojo, t'inquiète pas. Je sais de quoi tu es capable. Mais laisse-moi gérer ça. Laisse-moi gérer ça. D'accord? Es-tu sûre? Tu ne veux pas que je... Je n'ai pas besoin. Es-tu sûre? En y pensant, quand est-ce que tu es rentrée? Je viens juste de rentrer. Dès que je suis rentrée, ma mère dit que tu as eu une attaque. Pour enfin découvrir que c'est ta propre mère qui t'a fait ça. Ah, comment est-ce possible, ta propre mère? Ah, c'est sérieux, très sérieux. Ojo, je suis contente que tu sois rentrée. Je suis très heureuse que tu sois rentrée, je suis heureuse maintenant. Tu sais que t'es la seule personne à qui je parle dans ce village, la seule personne à qui je me confie. Je suis contente que tu sois rentrée, mais t'inquiète pas pour moi. Ce n'est pas grave, tu sais, Dieu a sa façon de faire les choses. Ouais, il a sa façon de faire les choses. Mais je n'aime pas ce qui t'est arrivé. Ma puce, désolée. C'est trop serré. Non, c'est pas trop serré. Dieu, aïe. Mon ami, je suis venu te voir parce que j'ai entendu tout ce que ta sœur a fait. Okoro. Je me demande bien d'où lui vient ce caractère. Mais est-ce que tu sais que c'est à cause de ce même caractère que son mari l'a quitté? Ah. Mais elle doit être rappelée à l'ordre. Parce que si les anciens l'apprennent, ce serait encore pire si ça arriva aux oreilles du roi. Après tout, elle est mariée à quelqu'un. Tu sais que tu es mon meilleur ami. Quand je regarde mon père et je regarde ma mère, ils n'avaient pas du tout ce genre de caractère de méchanceté. Ils n'avaient pas du tout des traits de méchanceté en eux. Je ne sais vraiment pas d'où lui viennent ces gènes de méchanceté. Tu sais, je l'ai conseillé, je l'ai mis en garde, je l'ai averti, tu sais. Mais sans suite. Mais je te fais la promesse que je vais continuer à lui parler. Tu ferais mieux. Parce que, eh bien, le roi nous convoque à une réunion ce dimanche. D'accord. Alors j'ai jugé cela nécessaire de t'en informer. Ah, tu as bien fait. Tu as bien fait. Bois, vas-y, bois. Tu sais, nous devons finir ceci. Hein? Tu sais très bien que tu as toujours eu du très bon vin. Oh, que oui. Et c'est pourquoi nous devons faire un toast. Ce n'est pas seulement dans les films qu'on le fait. Nous pouvons aussi faire le nôtre. Hein? Santé. J'ai le secret de ce vin de Palma. Donc tu l'as? Oui, mais je ne te le dirai pas. Ah, ah, pourquoi? Pour que je continue à venir chez toi? Oui, pour que tu continues de venir chez moi. Que je vienne toujours chez toi. Si je te le dis, tu ne viendras plus. Ah, oui. C'est pour ça. Tu comprends, tu comprends. Attention, attention, toi. Ok. Keshi. Hey, Keshi, voyons ta mine comme ça. J'espère que tu vas bien. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Hein? Ce garçon est devenu un cauchemar. Je ferme mes yeux, je le vois. J'ouvre, je le vois. Hein? S'il te plaît. Aide-moi. Hein? S'il te plaît. Aide-moi à lui parler. Aide une amie en détresse. Je t'aide à lui parler. Oui. Keshi. Keshi. Keshi, pourquoi tu es comme ça? Comment? Pourquoi es-tu comme ça? Je te demande. Hein? T'es-tu déjà demandé pourquoi ce garçon se comporte comme ça? Hein, Keshi? L'autre jour, sa mère le pourchassait dans tout le village avec la machette. Tu ne te soucies pas. Est-ce que tu sais ce que ce garçon traverse? Hein? Hey, tout ce qui t'intéresse, c'est de me déranger, de parler de l'amour. À mon par-ci, à mon par-là. Ma tête? Hey! Je ne savais pas qu'il traversait tant. Hey! Je pense que je sais quoi faire. Je vais le reconforter. Il en a besoin.
Oui, besoin d'une consolatrice. Tu vas le réconforter, hein. D'accord, bien. Keshi, tu es juste obsédée. Oui, c'est ce que je vois. Ça se voit que tu as perdu la tête. C'est tout ce que tu as à dire. Donc, je suis déjà... Aucun problème. Aucun problème. Keshi, je pense que ça ne va pas chez toi. Dégage. Hé, cette fille est devenue folle. Oh, voilà. L'amour par-ci, l'amour par-là. La folie en pleine journée. As-tu peur de moi? Pourquoi devrais-je avoir peur de toi? Ou peut-être parce que tu emballes je ne sais quoi que j'aurais peur de toi? Écoute, je n'ai pas ton temps maintenant, s'il te plaît. Écoute, je sais ce que tu traverses. C'est pourquoi je suis ici pour t'aider, je veux être ta consolatrice. Laisse-moi t'aider avec... S'il te plaît, ne t'inquiète pas, T'ai-je demandé un truc? J'apprécie que tu veuilles m'aider, mais s'il te plaît, j'ai pas besoin de ton aide. J'ai pas besoin de ton aide. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Laisse ma vie tranquille. La façon dont je me porte me plaît ainsi. Ok, laisse-moi te demander. Tu veux m'aider, n'est-ce pas? Si tu découvres que la femme que tu pensais être ta mère s'avère être une parfaite inconnue, que ferais-tu? Tu vois, tu n'as même pas de réponse. Voilà donc comment je me sens actuellement. Je ne sais vraiment pas quoi penser de cette vie. Je suis perdu. Laisse-moi tranquille. Mais... Naï... Je n'ai pas... de réponse à ta question. Méchant. Vous êtes vraiment, vraiment méchant. Si quelqu'un m'avait dit que je vous aurais vu aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Désolé, qui êtes-vous? Qui je suis? Vous êtes fou de me poser cette stupide question. Vous avez perdu la tête ou vous avez oublié qui je suis? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Je suis cette fille dont vous avez renversé la banane et vous vous êtes enfui. Oh. Alors, c'est vous? Ouais, c'est moi. Savez-vous qu'à cause de votre acte stupide, j'ai eu ce que j'ai sur la tête? Je suis désolé, mademoiselle. Je suis désolé. S'il vous plaît. Ma maman a cassé ma tête. Ma maman a cassé ma tête parce que vous avez renversé ma banane et vous vous êtes enfui. Pourquoi est-ce que vous vous êtes enfui? Pourquoi est-ce que vous êtes enfui ainsi? C'est une longue histoire. Tellement de choses dans ma tête aussi. Il y a tellement de choses qui me tracassent, s'il te plaît, mademoiselle. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ce n'était pas mon intention de fuir.
Écoutez, je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas tant que vous n'aurez pas payé l'argent de ces marchandises. Vous devez payer pour ça. Vous devez payer, je ne vous laisserai pas. Ma chère. Je vous promets, je vous donnerai votre argent. Nous allons régler. Juste que pour l'instant, je n'ai pas d'argent sur moi pour... Hein? Dites-moi juste où vous voulez qu'on se rencontre. Je reviendrai et je vous donnerai votre argent pour régler ça. Pourquoi vous enfuyez à nouveau, n'est-ce pas? Non, non. Donc vous essayez encore de vous enfuir? Je ne vais plus m'enfuir. Promis, je ne m'enfuirai pas. Hein? Pour le fait que votre mère vous ait fait ça, ça me fait déjà mal. S'il vous plaît. Je n'irai nulle part. Je ne pars nulle part. Je ne pars pas. J'irai partout où vous irez. Jusqu'à ce que vous ayez payé cet argent, je n'irai pas. S'il vous plaît, mademoiselle, je suis vraiment désolé pour ça. Regardez-moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne peux pas fuir. Dites-moi juste où je dois vous rencontrer, je viendrai et je vous donnerai votre argent. Hein? S'il vous plaît. Non, non, j'ai peur, je ne veux pas que vous enfuyiez. Vous allez vous enfuir. Je ne vais pas m'enfuir. Je vous jure, je ne vais pas m'enfuir. S'il vous plaît. Hein? Biko. Je suis désolé pour votre blessure. Dites-moi juste où je peux vous retrouver. Je viendrai et on réglera ça. Okoro. Ah! Je ne savais pas. Je ne savais pas que notre Igwe était si intelligent. Oui. Écoute. Je ne m'attendais pas à une telle chose de sa part. Mm-hmm. Alors, si je suis chez moi, toi, tu es chez toi. Oui. Et toutes les autres personnes de ce village sont chez eux. Nous appuyons sur notre téléphone. Le nom de notre village apparaîtra. Apparaîtra. Attends un instant. Comment a-t-il appelé l'autre? Comment a-t-il appelé l'autre? Google. Tu vois, tu es intelligent. Tu es ouais. Intelligent. Ça, c'est le plus haut niveau de développement. Tu vois, je me sens déjà comme si j'étais en ville, dans la cité. Voilà pourquoi c'est bon de toujours se rassurer que quelqu'un qui a reçu une éducation occupe une position de pouvoir pour qu'elle puisse raisonner comme notre roi. Personne n'a visé. Je suis d'accord avec toi. Merci. Ouais. Allons chez moi. Allons prendre un peu de vin de palme frais. Naïmidokwa. Un bon vin frais. Bedokwa. Allons célébrer cette bonne nouvelle. Bon vin. Ça, c'est l'un des plus grands développements de notre village. Je sais bien que je plaisante pas avec ça. Mais toi, là. Allons-y. 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 Du bon vin. Dépêchons-nous. Oui, tu as raison. Tu as raison, oui. Elle me traite comme si je n'étais pas sa fille. Et le pire dans tout ça, c'est que je travaille comme un éléphant et je mange comme une fourmi dans la maison de ma propre mère. Tu sais, parfois, j'ai envie de m'enfuir. Mais où vais-je m'enfuir? Où est-ce que je vais partir? Mademoiselle, c'est tellement drôle. C'est drôle parce que toi et moi, nous vivons la même chose. Je t'ai écouté pendant que tu parlais. Ma mère, je t'assure, fais la même chose et encore plus. Tu sais, parfois, j'ai envie de l'étrangler. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est ma mère. Je ne peux pas tuer ma propre mère. Mère. Le mot mère, c'est en fait la cause. Je suis plus inquiet pour toi. Tu es une femme. Tu ne dois pas être traitée de cette façon. Au moins, je peux gérer la mienne parfois, mais le fait que ta mère t'ait fait ça à cause d'une simple banane, c'est vraiment pas gentil du tout. S'il te plaît, j'ai vu qu'on aille voir ta mère, parce que j'ai besoin de lui parler. Je dois lui faire savoir qu'elle ne devrait pas traiter sa fille de cette façon. Il y a des gens quelque part qui ont besoin des enfants. Tu en as une fille, mais tu la maltraites n'importe comment. Non, non, je te laisserai pas faire ça. C'est pas possible, elle va me tuer. Je m'en contrebalance. Je dois lui dire la vérité. Je dois dire à ta mère la vérité. Nous devons aller la voir. S'il te plaît, ne dis pas non. Allons-y. Non, 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 s'il te plaît, non. Pas maintenant, elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Oui, elle n'est pas là. Alors quand? Je te ferai savoir quand je serai prête. Ok, mais le plus tôt sera le mieux.
Nous devons lui dire ce que nous pensons. À m'ignorer. Hey! Ok, pas de soucis. On verra. Nous sommes dans ce village. On verra. Ojo, j'ai découvert que c'est une personne qui a vécu la même chose que moi. Alors face à ça, j'ai été impuissante. Ah, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Alors, quelle est la suite maintenant? Il propose qu'on parle à nos mères. Mais Ojo, j'ai peur. Sais-tu que depuis que je suis devenue une véritable femme, je ne me suis pas encore assise pour parler avec ma mère? N'en parlons pas de manger avec elle. Alors? Alors, je l'ai suppliée, tu sais, je l'ai suppliée pour venir parler avec elle. Ojo, j'ai besoin d'amour maternel dans ma vie. J'ai besoin d'amour maternel dans ma vie, Ojo, j'ai aussi besoin d'être aimée. Je mérite aussi d'être bien traitée. Ok, ceci est bien. Hein? C'est bien, ne me méprends pas. Mais j'ai ce sentiment en moi que quelque chose va mal se passer. Rien ne se passera. Absolument rien ne se passera. D'accord? J'ai décidé d'essayer. Et c'est ce que je ferai. N'essaye même pas de m'arrêter, n'y pense même pas. Ah. Sois prudente. Sois prudente. Tu vois, ta blessure n'est pas encore guérie. Ne pas rajouter plus. Je n'ai pas de paracétamol, même pas d'argent pour en acheter un. Sois prudente, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh, je serai prudente. Fais attention. Fais très attention, vraiment. Madame. Monsieur. Passe-moi à la clé 19. D'accord, monsieur. Adams. Oui, monsieur. Il y a le tournevis là-bas. Passe-le-moi et viens. D'accord, monsieur. Nous devons nous rassurer de finir ce travail pour pouvoir avoir notre argent. Ok. Tu m'entends? Oui, monsieur. Maintenant, dépêche-toi, va les apporter. D'accord, monsieur. Vite, vite, oui, vite. Monsieur. Allez, dépêche-toi. Très grand. Oui, je t'assure, c'est un endroit génial. Oui, il y a vraiment de l'espace. Adams. Monsieur. Je serai là d'un moment à l'autre, ne t'inquiète pas. Oui, ne t'inquiète Adam, surtout pas. Messieurs, dépêche-toi. J'ai presque fini ici. Mais qu'est-ce qui te retient? Je cherchais ce que vous avez demandé. Arrête-toi là! Je t'ai observé dans ce village et j'ai remarqué que c'est toi qui éloignes mon petit ami de moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et toi?
Je parle encore. Maintenant, écoutez, écoute très bien. Obi est à moi. Et à moi, toute seule. La prochaine fois que je t'attrape. Mmh? Juste près de lui. Hey, hey. Ce que je te ferai. Mmh? Ce que je te ferai. Même Dieu ne te sauvera pas de moi. Dieu, donc si quelqu'un te demande pourquoi tu cries, tu diras que tu cries à cause d'un homme. Attends, tu sais quoi? J'ai pas de temps à perdre pour des bêtises. Tu n'oseras pas. N'essaye même pas. N'ose pas. Essayais-tu de me frapper avec ce bâton? Comment oses-tu me gifler? Et je te giflerai encore, encore et encore si tu essayes ces bêtises. Attention, on te laisse maintenant. Tu vas la frapper. Tu veux. Tu ne vois pas ce bandage sur sa tête, hein? Si elle meurt maintenant, que vas-tu dire à ces gens? T'as de la chance. T'as de la chance que je ne me sente pas bien. Sinon, cette gifle que Joe t'a donnée ne serait rien. J'en aurais fait pire. Audio, allons-y. Laissons-la se morfondre. Ok, on verra. On verra. Je vais aller me préparer. Frappe-la bien. Frappe-la. Frappe-la bien. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. On verra. Si t'étais pas venue, cette fille stupide m'aurait brisé la tête, ajoutée à ceci. Mais Oju, pourquoi t'es-tu battue avec elle? Pourquoi l'as-tu battue? Pourquoi je ne me battrais pas avec elle? Donne-moi une raison pour laquelle je ne lui briserai pas la tête. Donc si on te laisse avec cette idiote, elle te frappera avec ce bâton. Sans se soucier de ton bandage, hein? À cause d'un homme. Un homme ordinaire. Que cette fille veut te casser la tête. Ce n'est pas possible. C'est vraiment une bonne amie pour moi. Je suis surprise. Je suis vraiment surprise. Et ce prétendu gars, je l'ai rencontré il y a de cela quelques jours. Il ne s'est rien passé. Rien du tout. Hein? Vraiment, certaines filles sont stupides. Vraiment stupides. Ha! Ceci est juste le genèse. Du moment où j'arriverai à l'apocalypse et que je ne changerai pas Malachi, je lui détruirai le visage de sorte qu'elle ne pourra même plus marcher dans la rue de ce village. Est-elle folle? Merci. Merci d'être venu à mon secours. Que Dieu te bénisse, hein? Allons-y. Oh Dieu, la bagarreuse. Oh. On verra bien. Ce n'est pas fini. Arrivé. Mukeshi, qui t'a fait ça? Regarde ce que cette idiote d'Ojo m'a fait. Ojo? Ok, attends. Mukeshi ne parle plus, nous devons aller voir un médecin. Bamba, je n'ai pas besoin de voir un médecin. Peux-tu le croire? Juste parce que je suis allée prévenir cette tapinesse de rester loin de mon hobby. Elle est sortie de nulle part et a commencé à me frapper. Est-ce à elle que je parlais? Juste comme ça. Ok, oh. Désolée, hein. Je vais leur parler. Nous devons leur parler de ce qu'elles t'ont fait. Toutes ces conneries doivent s'arrêter.
Ce n'est pas le moment de parler. Les actes sont plus éloquents que les mots. Écoute, je suis venue te chercher pour qu'on aille leur montrer de quoi nous sommes capables. Je ne comprends pas, me chercher. Mm-hmm. Pour qu'on aille bagarrer. Mm-hmm. Mais non. Ah ah, comment peux-tu dire que je me batte? Je ne connais pas me battre. Oh. Écoute, regarde mon corps, non, sans tache. Alors, comment peux-tu dire que j'aille me battre? Tu sais, comme je t'ai dit, je vais leur parler. Nous allons régler tout ceci. Se battre n'est pas une option. Lucie, tu es mon amie. Abby? Bien sûr, non, je suis ton amie. Oudjou est l'amie d'Happiness et elle est venue défendre son amie. Je viens t'appeler en tant que mon amie. Accompagne-moi là-bas, c'est moi qui me battrai. Viens juste me soutenir. Non, ah. Écoute, regarde-moi, je suis irréprochable. Je n'aime pas me battre. Ne t'inquiète pas, nous allons régler ça. Aucun problème. Tu es irréprochable. Tu ne peux pas te battre. Oui. Aucun problème. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Aucun problème. Tu t'en vas. Lucie, laisse-moi tranquille. Je m'en sortirai toute seule. Hey. Moi, irréprochable. Je devrais aller me battre. Hey. Non, ce n'est pas possible. Pour que ces filles me battent copieusement. Hey. Je ne peux pas le faire. Oh. Je ne peux vraiment pas. Sur mon unique fille. Ma jolie fille, comment s'est levé la main sur toi? Hey! Ils ont frappé la prunelle de mes yeux. Ne t'en fais pas. Mama Happiness, je viens pour toi. Moi, Okoro, je viens pour toi. Papa, regarde mon corps. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Ok. Désolé, ma fille, désolé. Écoute, ce que tu vas faire maintenant, va chez mon ami, le pharmacien. Dis-lui de te traiter. Je viendrai le payer plus tard. Tu m'entends, hein? Mais je vais aller chez cette maman Happiness et sa famille. Je vais leur rappeler qu'ils ont oublié que je suis le messager de ce royaume. Que je peux parler, le roi m'écoute. Je vais partir. Hey! Non, 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 non. Je le ferai. En fait, mon bâton va résonner sur leur corps. Hey! Mama Happiness, alors comme ça, toi et toute ta famille avez osé lever la main sur mon unique fille? Hey! Si je ne m'étais pas du tout calmé en arrivant ici, j'aurais su quoi te dire. Mais je vais juste te prévenir que cela ne se produise plus. Et si cela venait à se reproduire, je vais te rappeler que je suis un itchier dans ce village. Que je parle et le roi m'écoute. Ah ah! Ah! Je vais partir. Aïe!
Happiness, Happiness. Quelqu'un est venu ici. En fait, est venu m'avertir que tu as tapé sa fille. Vrai ou faux? Alors, où étais-tu depuis ce matin? Où? Maman, j'étais chez le pharmacien pour les soins. Pour les soins? Vraiment? Tu es partie pour les soins? Juste pour cette petite blessure? Oubliant que tu avais des choses à faire à la maison? Préparer, nettoyer, puiser de l'eau. As-tu oublié? Maman, je sais que je suis censée cuisiner, nettoyer, puiser de l'eau. Mais maman, quelque chose... Je suis désolée. Tu es désolée. Entre t'occuper de toutes ces choses. Aïe. Maman, s'il te plaît, peux-tu garder ce fouet de côté, s'il te plaît? Mon fouet? Oui, maman. Je devrais le garder. Pas de problème. J'ai gardé. Maman, va à l'intérieur. Viens-tu de m'ordonner d'entrer dans la maison? Non, maman, non. J'ai juste peur que tu utilises ce fouet sur moi. Ma fille Happiness me commande maintenant d'entrer à l'intérieur. Il fallait rester. Tu aurais dû rester là, à me commander. Donneuse d'ordre, qui te touchera? Moi te toucher. Tu penses que je ne suis pas intelligente? Va finir de faire ce que je suis censée faire. Je ne peux pas te toucher, où? Je sais que si je te touche, tu vas dire que tu es fatiguée. Quand tu vas finir et que tu auras besoin de manger, je verserai ma colère sur toi. Je te finirai avec ce fouet. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Happiness, dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'évites? S'il te plaît, dis-le-moi. Je ne t'évite pas bien du tout. Bien sûr que tu m'évites. Écoute, je ne t'évite pas, c'est juste que... Laisse-moi gérer ça toute seule. C'est ma croix, je peux la supporter. Non, arrête. Depuis que tu m'as raconté ce que ta mère t'avait fait, je suis vraiment préoccupé. Tu es comme ma petite sœur. Laisse-moi lui parler, s'il te plaît. J'ai peur, je sais de quoi ma mère est capable, non! J'insiste, allons-y voir ta mère. S'il te plaît, ne dis pas non. Non. Ne fais pas ça, suis-moi, allons-y. Ne t'inquiète pas, reste calme. Je vais lui parler. C'est une mère, elle va comprendre. Ça va aller, ne t'inquiète pas, t'inquiète. Bonjour, maman. Maman, lui c'est mon ami et Obi. Mon ami. Maman, s'il vous plaît, je sais que j'ai pas le droit de vous dire comment vous devez vivre dans votre maison, ou même alors comment éduquer votre fille. Mais vous voyez, c'est mon ami, et c'est un être humain. S'il vous plaît, maman. Pour moi, je pense que vous la maltraitez. Vous ne lui donnez pas l'amour maternel. Oh, l'amour maternel? Je ne lui donne pas l'amour maternel, mais elle t'a toi, non? Tu lui donnes l'amour fraternel ou l'amour sexuel, à toi de choisir. Donc, tu es venu dans ma maison me prêcher comment prendre soin de ma fille, n'est-ce pas? Hé, hey, Wokodja, moi n'a fort, non? Maintenant, tu as un protecteur qui vient te défendre, n'est-ce pas? Attendez-moi, je reviens. Regarde tous les environs, c'est sale. Et pourtant, je vis avec une grande fille comme toi. C'est ça. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il n'y a aucun problème. Fais l'amour maternel et l'amour fraternel.
Tu as un petit Maman. D'accord, c'est rien. Non, je m'en vais. Maman, ce n'est pas. D'ici. Allons-y, il faut qu'on parle. Non, je dois lui parler. Pourquoi nos parents nous traitent-ils de cette manière? S'ils ne voulaient pas de nous, pourquoi nous avoir donné naissance? Non, pardon, je n'ai pas fini. Je n'y vais nulle part. Hein? Ah eh oui, c'est bon. Oh oui. Tu es très bien traité, Omaka. Hein? Maman. Hé, hey, ferme-la. Vous m'avez versé de l'eau. Dois-je apporter du pétrole? Écoute, hein? Comment oses-tu venir chez moi me dire comment prendre soin de ma fille? Alors, jeune fille, tu as commencé à sortir avec des hommes? Ah oui? C'est bien. Oui! Parce que quand tu commences à sortir avec eux, sois Digo. Hey! Seul Dieu vous jugera. Me juger pourquoi? Seul Dieu vous jugera. Pour avoir été venu, voulant me donner. Maman, ce n'est pas juste. Ah non, Fia, hein? Regarde-les. Je suis morte. Je suis morte et elle va me tuer. Elle ne fera rien. Elle ne fera rien. Arrête de pleurer. Je réfléchis à ce qu'il faut faire. Je ne retourne pas dans cette maison. Je ne rentre pas dans cette maison. Non, je ne retourne pas. Ne t'inquiète pas. Je réfléchis à ce qu'il faut faire. Si tu suis les instructions, nous allons réussir. Ok? Maintenant, tu vas aller calmement prendre tes affaires. Quand tout est calme, toi et moi en fugue. Oui. Et comment allons-nous survivre? Je m'occupe de ça. Je vais chercher l'argent et on va s'en sortir. Non. Tu n'as pas à paniquer. Nous devons combattre ces gens. Ils nous traitent mal depuis longtemps. Nous devons nous défendre. Ne panique pas. Et tu sais que je parlerai toujours. Hein? Le secret de ton vin de palme. Bon après-midi, papa. Bon après-midi, mon oncle. Agatha, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous portez? Hey! Okoro, vois-tu ce que portent mes filles? Hey! Je suis foutu. Vous portez des pantalons et des culottes? C'est bien ce qu'on vous apprend à l'école. Répondez-moi. Pourquoi portez-vous des pantalons et des culottes? Oh, vous ne savez pas que vous veniez chez moi? Mais papa, c'est un vêtement. Oui, papa. Oh, alors comme ça, si je comprends bien, vous êtes venu pour me défier. Moi, votre père. C'est comme ça qu'on s'habille à l'école. Est-ce que vous allez la fermer? Écoute, Okoro, nous devons aller à leur école. Je dois rencontrer vos enseignants. Et qui me disent pourquoi ils vous autorisent à porter des pantalons et des culottes. Donc si je porte le pantalon, porte le pantalon. Je porte la culotte, vous faites pareil. Ah, ok. Donc voici où va mon argent. À la place des livres, vous achetez des pantalons et des culottes. Allez, dépêchez-vous de foutre le camp de ma vue. Si j'ouvre mes yeux et que vous êtes encore là. Oh, je vais vous verser ce vin. Je vais vous verser ce vin. Vous êtes encore là? Idiota. Tes filles ont grandi. Donc, Okoro, tu es ici pour apprécier mes filles qui portent des pantalons comme moi. Si elles portent des culottes et que je fais pareil, alors nous sommes des égaux. C'est bien ce à quoi tu penses? Ce que tu penses est différent de ce que je pense. Ah ouais? Alors, à quoi penses-tu? Tes filles, Agatha et l'autre... Rebecca. Elles ont grandi. Attends. Qu'est-ce que tu racontes? Serais-tu en train de les convoiter? Tu veux... Non, comprends-moi. Ce que j'essaie de dire, c'est que... Qu'il est grand temps que nous commencions à chercher des prétendants qui viendront, tu sais... Eh oui! Okoro, donc comme ça tu veux que je prenne un gang pour alerter de Ventuel prétendant pour venir épouser mes filles, c'est ça? C'est bien ce que tu dis? Actuellement, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu connais le fils de mon frère. Celui-là qui est un peu fortuné. Ikechuku? Oui. Eh bien, je veux qu'il vienne rencontrer tes... Peut-être que c'est possible. C'est ce que tu veux dire? Mais pas toi. Je veux venir boire le vin de palme avec toi, célébrer avec toi le fait qu'ils ont vu tes filles. Pourquoi parles-tu ainsi? Bois. Bois. Je me demande, hein, mais qui t'a dit toutes ces choses, hein? Comment sais-tu que ces filles peuvent traiter le balu? Hey, grand frère,
Grand frère, ces feuilles, hein? Tu devrais connaître ces feuilles depuis maintenant. Tu n'es pas physionomiste, sinon tu connaîtrais toutes ces choses. C'est ce que nous utilisons pour soigner le pain. Hey, Obi, Obi. Comment tu vas? Ça fait un bail. Obi. Mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, il y a un problème. Je suis allé dans la maison de la maman de Happiness pour parler avec sa mère. Par rapport au traitement qu'elle inflige à sa fille, la dame m'a humilié et m'a versé de l'eau. Hein? Pourquoi tu fais une telle chose? Pourquoi? Parce que je sais ce par quoi cette fille passe. Je sais ce qu'elle traverse. Hein? Écoute, mon frère, s'il te plaît. Actuellement, où je suis là, j'ai besoin d'argent. Mon frère, si tu peux m'emprunter 10 000 naira, s'il te plaît, j'apprécierais. Ah! 10 000 naira? Exactement. Aïe! Cet argent n'est pas à moi. Je sais, écoute. C'est pour ma sœur. C'est une épargne, et tu le sais. Je te rembourserai, s'il te plaît. Frère, c'est juste pour un moment. Hein? S'il te plaît. Hey. S'il te plaît, ne dis pas non à ton ami. Picono, je te rembourserai. Hey. 10 000 naira, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. L'aussi? Peux-tu aller prendre notre sac, ce sac d'argent? Le sac d'argent? Oui. Notre sac? Oui, celui-là. Je devrais apporter l'argent. Le sac d'argent. D'accord. Hé! Hey, mais mec, pourquoi tu fais une telle chose? Ne me blâme pas, s'il te plaît, ne me blâme pas. Tu n'aurais pas dû, mec, et en plus, tu connais cette femme. Elle est très cruelle. S'il te plaît, ça va aller, ça va aller. Tu n'as pas aidé de la façon dont cette fille... Hey, c'est incroyable. Boss, comment vous allez? Salut. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Bienvenue, monsieur. Ah, qu'est-ce qui vous amène? Je sais pas ce qui arrive à ma voiture, mais elle a un problème. D'accord, je vais vérifier. D'accord. Ouvrez le capot. D'accord. C'est ouvert. Avez-vous ouvert le capot? Elle a un problème. Démarrez, allez, démarrez. Appuyez à fond, je vais vérifier quelque chose. Ah, c'est bon, j'ai vu. Quel est le problème? Ah, monsieur, ce n'est pas une petite panne, ça, hein? Quoi? Ce n'est pas une petite panne. Je te fais confiance, je sais que tu peux le faire. Ah, monsieur, écoutez, vous exagérez. Est-ce que vous avez fait laver cette voiture? Oui, hier. Voilà, il ne fallait pas demander à ces laveurs de laver l'intérieur. Ils ont lavé le capot et ils ont mis de l'eau dans le moteur et même la batterie a été touchée. Quoi? Même les câbles et tout. Vous avez de la chance d'être venu à temps. Ouais, je sais. Comme d'habitude, vous savez que vous êtes au bon endroit. Sinon, je ne sais vraiment pas ce que vous feriez de cette Alors, voiture. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez quoi? Vous êtes venu au bon endroit. Voilà, donc, détendez-vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter, vous comprenez? Vous comprenez? Tout redeviendra normal. Je vais chercher mes outils. Détendez-vous, j'arrive. Pas de soucis. Je reviens tout de suite, s'il te plaît. Okay? D'accord, pas de problème. Ouais, allô? Ouais. Papa, nous y retournerons la semaine prochaine. Et tu sais, l'argent que nous t'avons demandé, nous en avons besoin, tu sais. Sans cet argent, nous ne serons pas admises. Hey! Agatha. Oui, papa. J'ai compris. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez devoir patienter un tout petit peu. Le temps pour moi de prendre ma pension. Et je vous donnerai l'argent. Ah, papa. La pension. Non. Ah, écoute, papa. Tu dois chercher où emprunter. Mon école n'attendra pas ta pension. Une pension qu'on ne sait même pas quand on te la donnera. Écoute, papa, va emprunter pour qu'on y retourne à l'école et soutenir comme les autres étudiants.
Je ne vais attendre aucune pension. Attends. Ton école est différente de celle d'Agatha. Avec ta langue bien pendue. Pé. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh, ma joie. Oh, mon Dieu. Oh, si votre mère était encore en vie, pour pouvoir obtenir vos diplômes. Oh, mon Dieu. Vous voyez dans un tribunal, en train de juger, pim, le magistrat et le juge. Oh, ils diront, ils seront tous d'accord avec ce que vous avez dit. Agatha. Oui, papa. Mon ingénieur, ne t'en fais pas. Je ferai le nécessaire, ok? Oui, papa. Je le ferai. Merci, papa. Regarde l'heure. Et ce garçon n'est pas encore à la maison. Tu reviendras ici et tu me trouveras également. Tôt ou tard, tu rentreras. Avez-vous vu? Vous voyez à présent? À cette heure, ce bâtard d'Obi n'est pas encore entré. Il n'est pas à la maison. À cette heure de la journée. Après, vous allez dire que je suis une femme méchante. Les gens diront que je suis méchante, que je suis cruelle. Hein? Maintenant, regardez. Je n'ai pas pris de bain. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Hein? Il n'y a pas de problème. À cause de toi dans ce village. On me traite de femme méchante. Si j'agis maintenant, vous allez dire que je suis méchante. Maintenant, vous ne voyez pas sa part de méchanceté. Lui, tout ce qu'il me fait, vous ne voyez pas ça. Ok. Je ne peux plus continuer à t'attendre ici dehors.
Qu'est-ce que je fais même ici? Hein? C'est mieux de rester là où tu te trouves. Parce que si tu reviens ici, parce que je vais m'occuper de toi. Essaye de rentrer à la maison. Il vaut mieux que tu restes là-bas. Reste bien où tu es actuellement, car je suis fatiguée de t'attendre ici dehors. Reste là-bas. Dors là-bas. Mange là-bas. Fais tout ce que tu veux là-bas. N'essaye pas de revenir dans cette maison. Je vais fermer cette porte de l'intérieur. Reste où tu es. Tu vas dormir dehors, où que tu sois. Où se trouve cette femme? Où se trouve cette femme appelée Adago? Sors de là! Bota Kene, sors de là! Dehors! Madame. Pas de formalité, viens te tenir ici. Viens par ici. Madame, tu me donnes des ordres. Oui, je dois te donner des ordres. Attends un peu, qui es-tu? Toi, tu me demandes qui je suis? Me le demandes-tu? Eh ouais, je suis désolée. Écoute, viens-tu de me toucher là? Oh, donc si je te touche, tu vas me toucher. Pourquoi? Laisse-moi te toucher. Ose me toucher. Je dois te toucher parce que c'est ainsi, je dois te toucher. Je te touche aussi. C'est quoi ces absurdités? Tu viens chez moi et tu penses que tu peux me toucher n'importe comment? Donc tu n'as pas peur? Peur de qui? Peur de moi, Ngozi. Hey! Et si bon, Djobon, hein? Regarde-toi. Dis-moi, qui est Ngozi? N'as-tu pas entendu parler de Ngozi dans ce village? Écoute, je t'ai dit et je répète de ne plus me toucher. Tu ne viens pas ici me toucher. Ça ne va pas. Si tu es venue ici pour parler, ça ne va pas là. Bien, madame, ça ne va pas là. Donc tu n'as pas peur? Peur de qui? Peu importe, aucun problème. Non, peur de laisse-moi qui? Laisse-moi te donner ce peur de toi? Oui, tu dois avoir peur dans de moi. Dans ce village? Tu dois avoir peur de moi. Tu dois avoir peur de moi. Oui. Ne l'essaye pas. N'essaye plus jamais de laisse-moi me toucher. Laisse-moi te dire. Qui traites-tu d'idiote? Ferme-moi ça, idiot. Qui est-ce que tu traites d'idiote? Personne ne m'a jamais... Tu me traites d'idiote? Toi, bien sûr. Je vois que tu ne me connais pas. Oh, je vois que tu ne me connais pas. Qui écoute, pour cette information que j'ai eue aujourd'hui... Hein? Je l'ai entendue avant, mais je n'ai pas du tout cru. Mais celle que j'ai reçue la journée d'hier m'a incité à venir ici maintenant. C'est ta propre fille, ta fille stupide et inutile, qui a poussé mon fils à s'enfuir hors de ce village. Qui est ton fils? Tu ne connais pas mon qui fils. Qui est ton fils? Parce que je sais comment j'ai éduqué mon fils. Et il n'a jamais pensé à quitter une seule fois ce village. Et n'en parlons Madame, pas de s'enfuir dans ce village. Hein? Tu ne viens pas ici pour raconter des bêtises. N'est-ce pas ce garçon qui est venu ici hier avec ma fille? Hein? N'est-ce pas ton fils qui est venu ici et chercher ma fille? Ce mon garçon fils? Stupide qui parle sans scrupule. Madame, quittez de chez moi très rapidement. Tu me demandais qui était ton enfant. Je dois m'en aller de ton enfant. Madame, ne m'irrite pas ici. Regarde et ramène mon fils ici. S'il te plaît, va-t'en. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Écoute, sinon je ne si venais pas. Si c'est ça le moyen pour va et ramène mon fils ici. Pour kidnapper ma fille, hein? Je vais me charger de vous ici dans ce village. Vous ferez mieux de ramener ma fille, ton fils et une toi. Une minute. Ta fille n'est pas avec toi? Bien sûr que non. Elle s'est enfuie avec ton fils. Ta fille a suivi mon fils. Tu veux dire que tu ne sais pas que ton fils est venu ici chercher ma fille? Mon fils n'est pas chez toi. Il n'est pas chez moi. Depuis 6 jours, 6 bons jours, que je n'ai pas vu mon fils avec mes yeux. Et les gens m'ont dit que maintenant il dort chez ton... toi. Que dis-tu? Ton fils n'est pas chez toi? Mon fils n'est pas à la maison. Ma fille l'a suivi il y a 6 jours de cela. Hé! Hey, es-tu en train de dire que ces deux-là l'ont planifié ensemble? J'ai souffert. Hé hey oh! Regarde toute la maison. Hé hey oh! Personne pour m'aider. Hé, hey, je suis mort. Ton fils a amené ma fille. Oh! Hé! Hé! Ouais! J'ai souffert. Hé, hey, moi, Ibem, qu'allons-nous faire maintenant? Hé! Hey. Cette fille est partie. Hey. Elle m'a laissée. Hey! 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 Oh, bon, l'aîné, dis-moi, qu'en est-il à moi, même? Qu'il y sort? Où veut-il bien être allé? Hey. Qu'est-ce que nous allons faire cette maintenant? Où je ne sais pas comment faire. Cette fille m'a fini. Mais non, je suis fille, je ne sais même pas comment je vais faire. Où peuvent-il être? Je n'ai plus cette personne. Cette fille n'a juste pas pensé à moi, elle est partie. Je suis fini. Cet enfant m'a tué. Allons le chercher. Commençons par là. Renseignons-nous par là. Commençons par là. Oh, où allons-nous commencer? Qu'allons-nous faire? Ma soeur, j'espère que rien de grave. Tu as dit qu'on aille à la police. Allons d'abord sur la place du village et renseignons. La place du village. Viens. As-tu vu un garçon brun, très brun, avec des grosses joues et une fille? Une fille noire. Qui a l'air très laide. Très laide. Je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne de cette description auparavant.
Oh, Jono, Jono. Contrôle ton langage, elle n'est pas laide. Comment peux-tu dire des choses comme ça? Ma fille, vas-y. Ta fille n'est-elle pas laide? Comment peux-tu? Pourquoi ton fils est donc tombé amoureux? Elle a du charisme. Oh, hein? Et que dis-tu de ton fils qui a les gros yeux et au moins mon fils a une grosse. Arrête de dire n'importe quoi. Ma fille a du charisme. Ton fils ne la mérite même c'est pas. C'est ta fille. Il ne le mérite pas. Avec son long front. Tu devrais être heureuse que moi c'est et mon fils en. C'est de ma fille que tu parles comme ça. Allons plutôt chercher nos enfants. Comment peux-tu dire que ma fille est laide? En tout cas, moi, je rentre. S'il te plaît, ne t'en va pas. Allons les chercher. S'il te plaît, pardon. Je suis désolée. Pardonne-moi, d'accord? As-tu un peu d'argent, même si c'est 200 naira, pour que, quand la police demandera de l'argent, on utilise cet argent comme avance. Soit libre et qu'on puisse partir. Je n'ai rien. Je voulais demander si tu as 100 naira pour qu'on achète le meilleur chemin. Parce que j'ai faim. Je ne peux même c'est pas préparer. C'est le maïs que... Que veux-tu acheter? Des beignets? Même si c'est... Ce sont les arachides. Les arachides, 50 naira. On peut les manger et boire de l'eau. Pour calmer notre estomac. Non. Je préfère le maïs. Donne-moi mes 50 naira et garde les tiens. Le maïs me rassasie très bien. Mange des arachides. Moi, je préfère le maïs. Je ne le ferai pas.
Hey, hey, whoa. Hey, hey, chai. Hey, whoa. Hey, whoa. Kokumo, hey, Mondo, 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 hey, Obi, oh, Obi, où es-tu? Obi, Obi, hey, 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 Mondo, oh, hey, 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 mm-hmm. Hey. Eh oh. Ah. Mm. 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 Ah. Hey. Mondo. Mondo. Qui est-ce qui va aller m'acheter les remèdes? Qui est-ce qui va aller m'acheter les remèdes? Oh, Obi, où es-tu? Oh, je suis en train de mourir. Oh, Lucie, Lucie, Lucie. Ah, Lucie, viens, viens. Que se passe-t-il? Ce que j'entends est-il vrai? Obi n'est plus dans ce village. Il s'est enfui avec elle. Keshi, Obi, Obi que j'ai vu il y a 4 jours. Attends, oh. Attends. Mon frère lui a remis une somme d'argent. Que ce ne soit pas avec cet argent qui s'est enfui, oh. Hey! 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 Donc... Cette fille a réussi à prendre mon homme. Keshi, que veux-tu dire? Tu ne comprendras pas. Hey. Reviens, Keshi. Hey. Obi. Hey. On aura tout entendu. Ngozi, ma sœur. Grand frère. Pourquoi as-tu cette mine? En fait, j'étais en train de venir chez toi. Comme tu peux le voir, je ne vais pas très bien. Biko demande à Obi de revenir à la maison, que je lui ai pardonné. Aide-moi à lui parler haut. Attends. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Que je dise à Obi de rentrer à la maison. Obi n'est pas là-bas chez toi. Je ne l'ai pas vu. Hey! Je le cherche depuis quelques jours maintenant. Hey. Et je sais que ta maison est le seul endroit où il peut aller. Hey! Oh, oh! Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je ne l'ai pas vu. Hey! Je n'ai pas envie de croire que ce garçon a été kidnappé. Hein? C'est un... Hey! C'est un je n'ai pas cessé de t'avertir. Je te l'ai dit sans cesse, que tu devrais contrôler ton tempérament pour pas qu'il nous entraîne dans quelque chose de terrible. Regarde maintenant. Hey. Non, mais regarde maintenant. Hey. Je suis désolée pour tout, Bikono. Hey. Où vais-je commencer, Bikono? S'il te plaît, pardonne-moi. Aide-moi à le chercher, s'il te plaît. J'ai compris. Aide-moi. Tu peux partir. D'accord. Je vais y retourner. D'accord. Mon frère, as-tu quelques médicaments, quelques remèdes chez toi?
Hein? Je n'ai personne pour aller m'en acheter, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je ferai le nécessaire. Tu peux rentrer. Que je rentre? Oui, vas-y, rentre. Merci, merci. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider avec ce bidon d'eau? Maman, nous ne pouvons pas t'aider. Nous sommes pressés. Nos parents nous ont envoyés sur les quelque part. Hey! Des enfants méchants! Les enfants méchants! Ah! Ah! Mikono! Maman? Bonjour. Attendez, laissez-moi vous aider. Ah! Laissez-moi l'aider, elle a besoin d'aide! Voilà ce que je me suis infligée à moi-même. Ma fille le faisait et je croyais que c'était facile. Oh mon... Ça veut dire que c'est ainsi que cette femme a chassé sa fille du village. Ma sœur, certains parents devraient écouter leurs enfants. Imagine que je rencontre une femme qui a cassé la tête de sa fille et continue à la maltraiter. Est-elle si méchante? Ya, n'es-tu pas dans ce village? Tu sais que je sors difficilement, hein? Ma chère, allons-y. Je vais tout te dire, je vais te donner l'info. Suivons notre chemin. Bien. Ne connais-tu pas cette femme? Je connais cette femme. Quel est le problème? D'accord, tu la connais. Ouais. Attendez, oh. Attendez, est-ce que toutes les deux, vous êtes aveugles? Toutes les deux, vous n'avez pas de conscience? Vous voyez une vieille femme avec un gros bidon sur la tête et ça ne vous touche même pas de l'aider. C'est si mal. C'est pas poli. Non, mais ça ne va pas. Cette méchante femme, que Dieu me préserve. Méchante femme? Ma sœur. N'ose même pas. Si tu savais la douleur que cette femme a causée à sa fille dans ce village, tu ne dirais pas ça. Cette femme est une sorcière. Effectivement. Sorcière? Chai, je ne t'ai pas au courant. Maintenant, tu le sais. Maintenant, tu sais. Qui sait si sa fille est encore vivante ou pas? S'il te plaît, allons-y. Allons-y. Oublie cette femme. Oublie cette femme. Tu veux dire qu'Obi a disparu depuis des mois? Okoro, écoute, j'ai prévenu ma sœur. Tu sais, je l'ai mise en garde de la façon dont elle traite ce garçon. Je lui ai parlé des conséquences, mais elle a refusé de m'écouter. Je lui ai dit qu'un jour, oui qu'un jour, quelque chose de terrible arrivera. Maintenant, regarde. Maintenant, regarde. Donc, tu n'as aucune nouvelle de ce garçon depuis tout ce temps? Aucune nouvelle. Écoute, je ne sais même pas si ce garçon est encore en vie ou pas. Hey! Hey! C'est très étrange. Hein? Je commence à comprendre maintenant qu'Obi a pris mon argent et s'est enfui. Pas juste ça. Il s'est enfui avec cette fille. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Hey, ton argent. De toute façon, grand frère, je pense que l'amour l'a envahi. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de la perte. Hey! Mais pour ma part, je prie pour qu'ils aillent bien. Où qu'ils soient, qu'ils aillent bien. Amen. Amen.
on va me mettre de l'eau pour mon bain. La seule chose que je n'ai plus... Et maintenant, je n'ai plus d'amis dans ce village. Je ne sais même pas s'ils sont encore en vie. Hein? Grand frère, il faut rester positif, non? Je sais qu'ils sont... Amen. Je prie qu'ils soient en vie. Ils sont en vie. Oh. Je ne sais même pas où sont ces garçons. Incapable de monter une roue. Et salut, Eka, comment tu vas? Je vais bien. Oga? Hein? Du courage. Eka? Oga? Ah, mets-moi ma nourriture. Je te vois qu'avec un plateau vide. C'est vrai. Ne te fâche pas, je vais... Oh. Mm-hmm. Oga? Mm-hmm. Mais, Oga, je voulais te demander quelque chose. Ton apprenant, celui qui vient d'arriver, pourquoi n'aime-t-il pas acheter la nourriture du genou? Écoute, ça ne me regarde pas. Il est venu apprendre le travail. Peut-être qu'il n'a pas... Tu sais, sa petite amie vient souvent lui donner à manger. Peut-être qu'il n'a pas d'argent pour te faire de la recette. Ça, c'est son affaire. Attends, attends. Vu la façon dont tu prends de ces nouvelles, j'espère que tu ne flashes surtout pas pour ce garçon. Ne viens pas tenir ton derrière ici pour le déconcentrer. Toi, ça... Je te préviens juste. Parce que pour ton information, il est ici pour 5 ans pour finir sa formation. Ah, ça te concerne. Toi, ça, c'est de quoi tu parles. Ah, c'est mon problème, n'est-ce pas? Pas de soucis. À cause de toi, ce garçon fera 6 ans d'apprentissage ici. Il passera 6 ans d'apprentissage ici. La simple erreur que je lui ai demandé de monter, il n'a même pas pu le faire. En fait, ce n'est même pas un problème. Je l'attends ici. Quand il rentrera, il va monter cette roue. N'importe quoi. Pourquoi ce travail n'est pas fait depuis le matin? Bientôt le client mais sera mais là. Mais j'étais pas là. T'étais pas là? Où étais-tu depuis le matin alors? Tu me déçois vraiment, j'aime pas ces manières. C'est vraiment pas à quoi tu me sers ici. Dépêche-toi. Tiens, la voiture de ce client. 3 jours déjà que tu es dessus, tu l'as toujours pas arrangée. 3 jours. Oga, c'est l'eau qui entre dans le radiateur, qui affecte le moteur. Mais j'ai réglé ça. Si, l'eau entre, mais sauf pour que cette eau sorte, voyons. Hein? C'est ce que je suis en train de faire avant que vous... Écoute, sache que je peux bien faire ce travail. Mais tu sais, je l'ai laissé l'esprit pour voir comment tu vas te débrouiller. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tes égaux ont leur propre garage. À ton âge, j'avais déjà ce garage, tu comprends? Désolé, j'ai fini, oh gars. C'est juste cette eau qui affecte le radiateur et le d'accord, moteur. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je... Écoute, je vais te dire quelque chose. Dépasse cette voiture. Que cela te coûte même 6 ans pour réparer cette voiture, tu vas la réparer, je vais pas t'aider. En plus, tu es censé travailler sur le moteur, mais tes mains se trouvent sur la roue. C'est quoi le rapport entre la roue et le moteur? Non, j'ai fini avec... C'est quoi le rapport entre la roue et le moteur? C'est la roue qui bouge. Le monsieur dit que lorsqu'il roule à 60, ça bouge. Ok. Ok, que ça... Pas de problème. Je suis là, je t'observe. Tu sais qu'elle appartient à un militaire? C'est ton problème, tu sais qu'elle appartient à un militaire. Un militaire? Timo. Je suis le seul à travailler dessus. Oga, nous avons besoin de plus de personnes pour travailler dessus. Timo, je suis dans le pétrin. Un militaire. Obi? Ah, mon amour. Comment tu vas? Je vais bien. Désolé, mes mains sont... C'est pas grave. Regarde, tu t'as apporté ton repas préféré. Ah, mon amour. Ok. Fais attention là-bas, s'il te plaît. Mon patron, Allons-y, allons-y. Laisse ce que tu fais. Viens manger. Viens. Obi. Je viens. Laisse-moi juste. Obi, viens manger. Non, je veux pas que ton boss vienne te crier je dessus. Je sers. Viens manger. Non, je ne veux pas que ton boss vienne te crier dessus. J'ai presque fini. Obi, viens manger. Je ne veux pas que cette nourriture refroidisse. Ok. Je la mets ici pour pouvoir la monter plus tard. Aïe. Oh, toi, reste là. Je reste comme ça. Ah. Mon amour, j'ai entendu que cette voiture appartient à un militaire. Je ne voudrais pas qu'on fasse des pompes. Laisse-moi juste... T'inquiète pas, on ne le fera pas. Mange rapidement. Regarde.
Chi! Je savais que tu allais aimer. Mon amour. Lave tes mains. Obi, détends-toi, non? C'est juste que je... Oya, mange vite. Je ne veux pas qu'ils viennent me trouver ici. Mais tu ne vas pas finir de manger cette viande. Hein? Mais tu ne vas pas finir la viande. Hey, Obi! Détends-toi. C'est que mon patron est un peu parano. S'il vient maintenant, il va crier comme si manger était un problème. Ne finis pas tout, Bim. Donne-moi aussi un peu. On appelle ça l'amour au garage. Aussi terrifiant? Vraiment terrifiant. On travaille du matin au soir. Manger même, c'est un problème. Très dur. C'est parce qu'il n'a personne pour lui donner la bonne nourriture. Mange, mange. Et aussi, il est jaloux de ma barbe. Tout le temps, ma barbe, ma barbe. Obi, dépêche-toi avec cette voiture, s'il te plaît. Okay. Dépêche-toi, allez. Ok. D'accord, monsieur. Obi, viens finir ton repas. C'est de l'eau qui coule. Et ça affecte le radiateur. Même le carburant. Mange, 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 mange. Cet homme est trop chiant. Mange ta viande, non? Mange ta viande. Puis-je savoir ce que je te fais pour que tu ne veuilles pas de moi? Maintenant même que je travaille, je peux prendre soin de toi. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de l'argent. C'est juste que je n'ai jamais rien eu à faire avec un homme. Hey! Qu'est-ce que tu racontes? Hey! Ce n'est pas vrai. Ne t'inquiète pas. Je vais y aller progressivement avec toi, d'accord? Étape par étape, sans te frustrer. Hey! Hey! Mon amour! Ma petite chérie! Hey! Mon amour! Allez, viens par là. Ngozi, écoute, j'ai retourné tout ce village. Il n'y a nulle part. Il n'y a aucun endroit où j'ai pu trouver Obi. Maintenant, regarde ce que tu as causé. Tu sais, je suis allé même jusqu'au poste de... au poste de police. Obi n'est nulle part. Hey. Nay, que ferais-je maintenant? Que vais-je faire maintenant? Tel que tu peux le voir, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien, oh. Je ne vais pas bien. Hein? Les maux de tête, les maux de rein, partout me fait mal. Ngozi. Hein? Il n'y a personne pour préparer pour moi. Il n'y a personne pour puiser de l'eau pour moi. Hein? Ngozi, une minute. Quand Obi était à la maison, tu étais une tigresse. Tu étais une lionne. Maintenant qu'Obi n'est plus là. J'ai mal à la tête. Je suis malade. Tu dois te rétablir pour que tu ailles chercher Obi. Je veux qu'il revienne. Si tu ne l'apprécies pas, si tu ne l'aimes pas, moi, ok, je l'aime et j'ai besoin de lui. Si jamais quelque chose lui arrive, tu n'apprécieras pas ce que je te ferai. Tu ne me reconnaîtras pas. Je t'ai prévenu. Nay, ne sois pas en colère. Écoute, je ne suis plus du tout passé. Tu sais quoi, je m'en vais chercher Obi. Bikono, va le chercher. Mon dos me fait mal. J'ai mal partout. Je ne peux même pas me tenir debout. Aide-moi, je veux retrouver mon enfant. Hein? Va chercher mon enfant pour qu'il puisse retourner m'aider, Mikono. Je m'appelle Ezindike et je vous aime. Ah,
je vous aime aussi. Maintenant, je peux passer. Attendez. Je veux juste qu'on soit des amis. Je sais que je suis peut-être pas votre genre, mais essayez de me considérer, s'il vous plaît. Je ne veux pas être votre ami. Arrêtez de m'importuner. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Donnez-moi cette opportunité et je vous promets que je ne vais pas briser votre cœur, croyez-moi. Écoutez. Je suis juste une petite fille qui ne sait rien descendre. Alors, s'il vous plaît, je ne veux rien avoir avec vous. Je ne dis pas que vous ayez quelque chose avec moi, je veux qu'on soit des amis, c'est tout. Non, je ne veux pas être votre petite amie. Au revoir. Écoutez. S'il vous plaît, lâchez-moi. Ok, d'accord, très bien. Attendez, s'il vous plaît. Écoutez, je veux juste être votre amie. C'est tout ce que je veux. Être votre amie, s'il vous plaît. J'ai dit non. Au revoir. Écoute, puisque tu comprends pas à quel point je t'aime, pourquoi tu peux pas être mon ami alors? Sois mon ami, s'il te plaît. Je ne peux pas être votre ami. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être votre ami. Ah, c'est pas ça une raison. Allez, dis-moi, pourquoi tu peux pas être mon ami? Ou alors, je suis pas ton genre, je suis pas assez bien, dis-moi. La raison est que tu devrais aller chercher quoi faire. Quelque part, de quelque manière que ce soit, juste arrête de me déranger. Comme tu peux le voir, je vais quelque part. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Si je ne suis pas ton ami, je le répète, si je ne suis pas ton ami, personne ne sera ton ami. Note bien mes paroles. C'est un gros mensonge. C'est un mensonge. Veux-tu m'intimider? Regarde. Ouais, c'est exactement ça. Regarde. Que ceci soit la première et la dernière fois que tu me stoppes en route. Est-ce que tu m'entends? Hé, tu intimides qui? Écoute, méfie-toi. Méfie-toi. On verra donc. Tu diras pas que je t'ai pas prévenu. Ah!
Ma chère Ngozi, je suis juste venu t'informer qu'il est grand temps pour toi de retourner dans la maison familiale. Ce n'est que là-bas que je peux véritablement m'occuper de toi, à cause de ton état de santé. Je peux aussi bien ramener à manger à la maison, ramener des médicaments. Et de là, tu sais, je peux aussi bien aller chercher Obi. Ce sera difficile pour moi. D'accord. De toujours apporter à manger. Ok. Ici. Les médicaments aussi. Tu comprends? S'il te plaît, en soirée, prépare-toi. Prends quelques vêtements et viens à la maison. J'ai compris. J'apprêterai une chambre. D'accord? Merci. À bientôt.
Obi. Ah, mon amour. J'ai apporté ta nourriture. Ah. Où est passé ton Oga? Hein? Eh bien, il devrait être là. Il était en train de réparer la voiture d'un client. Ah, mon amour. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu vois, depuis que nous sommes ensemble, nous avons beaucoup enduré. Nous avons beaucoup souffert. Sous la pluie, comme sous le soleil. Tu as tout ce que je recherche chez une femme et encore plus. Et en ce jour, je veux te donner un abri et de l'amour. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. S'il te plaît. Veux-tu m'épouser? Bien sûr que je le veux, Obi. Je veux t'épouser. Merci. Merci, mon amour. Je ne suis pas un ennemi du progrès. Tu comprends? J'aime bien voir les bonnes choses. Encore un câlin, mais c'est quoi ces manières? Allez! Voilà! Voilà, c'est ça! Obi! Obi! Onika! Obi! Oh! Oh! Hey! Obi! On y est! Obi! Ah! Obi! On y est! Qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi de te demander ce que tu fais là. Onika! Obi! C'est vraiment toi? Quand je suis rentré de la chune, j'ai pensé que t'en avais marre de... Tu vois où ton frère se trouve maintenant, non? Oh. Hein? Tu sais, à ce moment, certaines personnes sont venues dans mon atelier. Monsieur, vous le connaissez? C'est mon meilleur ami. Ce garçon, je savais que tu avais de la connaissance. Je le savais, je l'ai lu sur ton visage. C'est mon apprenti. Ah il apprend, c'est sur moi, oui. C'est mon apprenti. Ouais, c'est mon boss. Tu sais, je t'ai cherché, hein. Bravo. Mon frère. Tu sais, depuis lors, j'ai fait... En fait, tu sais déjà tout. Ouais. Certaines personnes sont venues du Vietnam. Ils nous ont fait comprendre qu'il y a une nouvelle ligne d'affaires où nous pouvons investir de l'argent. Et voilà comment j'ai investi tout ce que j'avais dans cette affaire. Et jusqu'à présent, je ne les ai jamais revus. Oh, c'est pourquoi, tu vois, je fais maintenant de l'apprentissage ici. Hein? Oga est tué. On y est caé, dégagé, on y est fait. Je suis venu réparer ma voiture. Oh, attends, j'ai vu ce qui se passait. J'étais vraiment très ému. Ah. Félicitations, mon pote. Je te présente, ma. Félicitations. Merci. Ça, c'est mon ami. Mon ami Onika. Regarde-moi, regarde-le. Regarde comme il est. Avant qu'il voyage vers la Chine, depuis lors, je ne l'ai plus vu. Jusqu'à présent. Ok, l'ami dont tu me parles. Exactement. Oh. C'est lui donc en personne. Bon après-midi, monsieur. C'est vraiment un ami de longue date. Félicitations, merci mon frère. Félicitations. Merci. T'as fait un bon Obi choix. Obi est maintenant un homme. Obi. Sérieux, c'est vraiment toi? Onika, quelle belle surprise. Cette vie est faite de tellement de surprises. T'inquiète mon amour, pas, je te reviens tout de suite. D'accord. Ne t'inquiète pas, garde ça pour moi là-bas. D'accord. Je reviens. Voici ma voiture. Ouais. Hado Kenawa! Hey, yo! Obi! Hey, Ogona! Hey! C'est pas possible! Obi, Onika! Obi, hey. Calme-toi, oh. Calme-toi! Hey. Calme-toi! Obi! Onika! Toi! Odogume! Oh. Allez, vas-y, te dérange pas! Hey! Babani Kiriwo! Oga, Onika, oui, Ugoke, mon frère. Tu sais, je suis très content de te revoir. Je suis le plus heureux. T'inquiète, tout va changer. Hey, je te le promets.
Dans Chimo. Allons-y, entre dans la voiture, on y va. Que j'entre? Entre. Oh, mon Dieu. Allez, entre, Obi. How? Ah, wow. Alors, Obi, tu sais que j'étais en Chine. Alors, j'ai ce business que j'ai et je veux qu'on travaille ensemble. Ah. Onika, un business de la Chine? Je ne sais pas si je peux. J'espère que ce n'est pas pour prendre le peu d'argent que j'ai pour injecter Obi, dans ça. Obi, t'inquiète pas. C'est moi qui investirai l'argent. Tout ce que tu as à faire, c'est de vendre. Tu prends le bénéfice et tu me reverses le capital. T'inquiète, tu vas te remettre. Je veux que tout aille bien aussi pour toi. Mais pourquoi les choses se passent tellement vite, Amara? Onyeka. Obi. Hi. Onyeka. Mon ami, tout rentrera merci, dans l'ordre. Merci, mon frère. Merci. Obi, ça va aller. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu sais que je ferai tout pour toi. Ok? Jésus-Christ. Tout ira bien, mon pote. Merci, merci. Merci, merci. Dieu alors, te bénisse. Alors, dis-moi, quoi de neuf? Tu fais quoi pour t'en sortir? Mon frère, tu le sais, n'est-ce pas? Tu le sais. Depuis lors, ils ont tout pris. J'ai dû retourner au village. J'ai passé un peu de temps au village, puis je suis revenu ici pour me chercher. Il n'y a rien que je n'ai fait. Finalement, je me suis retrouvé t'en ici. T'en fais pas, ça va aller maintenant. Tout reviendra dans l'ordre. Merci. Ça, je te promets. Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Comment on y peut? Comment Obi peut me laisser ici toute seule? Ce garçon est très méchant. Hein? Qui va aller acheter les médicaments pour moi? Qui?
si Dieu me bénissait ainsi, si j'avais cette grâce, je ne serais pas en train de crier. Hein? Oh, merci mon Dieu. Ah, ça me rappelle. Je pense que je vais aller voir Obi. Ah oui, je vais aller le voir. Tout de suite. Mais où est ce garçon? Adams! Où est ce garçon? Adams? Adam! Hey! J'ai dit à ce garçon, chaque fois que je t'appellerai une ou deux fois, j'aurai des problèmes avec toi. Adams! Adams! Hey! Adams? Adams? Pas de problème, je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Adam! Tonton, je suis allée à la maison voir maman. Je l'ai fouillée partout, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Tonton, où est maman? Est-ce qu'elle est partie au marché? Happiness, lorsque tu es parti, ta maman a commencé à faire des tâches ménagères parce que je sais qu'elle ne t'a jamais valorisé quand tu étais avec elle. Elle est tombée malade. Et quoi, tonton, parle, non? Elle est tombée malade et quoi? J'ai fait de mon mieux, mais je pense que ça n'a pas été assez. C'était une mort douloureuse. Tonton! Tonton, où est maman? Où est ma mère? De quoi est-ce que tu parles? Où est ma mère? Tonton, de quoi est-ce que tu parles? Où est-elle? Elle m'a aussi expliqué les raisons pour lesquelles elle te traitait comme elle a fait. Parce qu'elle avait été violée. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir avorter de cette grossesse. Mais tout cela sans succès. Tu as résisté. Et c'est pour ça que tu as envie aujourd'hui. Elle m'a aussi demandé de te dire de lui pardonner. Tonton, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné depuis longtemps, n'est-ce pas? Je sais qu'elle m'a fait souffrir, mais je lui ai pardonné. Ça va aller. Ça va. Tu n'es pas seule. Hey! Ça va aller. Tout ira bien. C'est la volonté de Dieu. Ça fait très mal. Ça va aller. Cesse de pleurer. Je lui ai pardonné. Je sais, mon amour, ça va aller. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Obi, mon fils. Chai. Nam. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je sais que j'étais traitée si méchamment, si mal, que si les gens me demandent pourquoi je te déteste autant, je ne peux donner une réponse. Mais comme conseil pour toute mère, c'est pour toi. Écoute-moi bien. Ne laisse pas ton passé tourmenter ton futur et ton présent.
Tout ce que je peux te dire est que ton père m'a laissé pour aller avec une autre femme. Et c'est ce qui a causé cette fameuse haine contre toi. Mais s'il te plaît, mon fils, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mais si aussi tu décides de ne pas me pardonner, je peux l'accepter. Parce que je sais que je t'ai fait tant de mal. En fait, je t'ai traité comme un parfait étranger. Je ne t'ai jamais vu comme mon propre fils. S'il te plaît. Maman, tu m'as vraiment traité injustement. Je sais. Tu m'as torturé. Tu m'as donné tant de haine. Pourquoi? Pourquoi tu traitais ton propre fils comme ça? S'il te plaît, c'était la main du diable. Non, ne dis pas ça. Surtout, ne le dis pas. N'accuse pas le diable. Tu as juste choisi de me traiter ainsi. Après tout ce que j'ai traversé en ville, j'ai été dupé par tout mon service. Je suis revenu, espérant un réconfort de ma mère. Mais non. Maman, pourquoi? Je suis désolée. Tu m'as traité tellement si mal que je me demandais si réellement tu étais ma mère. Et où? S'il te plaît, pardonne-moi. Je me mets à genoux. Maman, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, maman. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Biko. Eh bien, qui suis-je pour juger? S'il n'y a pas de péché, il n'y aura pas de pardon. Je suis heureux que tu aies retrouvé la raison et que tu aies réalisé qu'on ne doit pas laisser son passé nuire son présent. Cette seule phrase suffit pour que je comprenne. Merci. Je te pardonne, maman. Merci. Je n'ai pas une autre mère. Qui suis-je pour te fuir? Je t'ai pardonné. Bien avant que je revienne au village, je t'avais déjà pardonné. Merci, mon fils. Obi, je suis content que tu aies pardonné à ta mère. Je suis heureux pour nous tous réunis ici aujourd'hui. Mazibé, je suis heureux que la fille de ta sœur et Obi, le fils de ma sœur, soient ensemble. Merci, Obi. Merci. Tonton, je veux aussi te remercier d'avoir été là pour moi. Tu as toujours été là pour me conseiller de surmonter tous les traitements qu'elle m'infligeait. Ouais, tu m'as beaucoup encouragé et c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui. Tu sais, merci beaucoup d'être un si bon oncle. Merci. Et de ça est sorti quelque chose de bien. Tu sais, mon oncle, cette fille ici présente a traversé la même chose. Et ça a été facile pour moi de comprendre sa douleur, parce que moi aussi, je vivais la même chose. Quand nous nous sommes rencontrés, il y a eu cette attirance, cette alchimie entre elle et moi. En fait, l'amour que je ressens pour elle, je ne sais pas comment le dire, mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, nous avons appris à nous aimer l'un l'autre. Nous sommes arrivés à un point de la vie où l'homme et la femme décident de se mettre ensemble. Se caser, oui. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes fiancés et nous avons déjà planifié le mariage. Le mariage traditionnel et religieux. Donc, je veux que vous le sachiez. Merci, mon gars. Ibé,
Hein? Ibe! Hein? Ibe! Alors nous ne sommes plus amis. Et pour ma bataille. Nous sommes beau-père maintenant. Alors je peux t'appeler beau-père. Oui. Obi! Okogo! Ngozi, ma sœur. Je suis si heureuse d'entendre ceci. Je suis heureuse. Merci, maman. Je suis heureuse. C'est bon. En fait, le temps, ce temps où on était à votre recherche. Quelque chose m'est venu à l'esprit que peu importe où tu es et qu'elle s'y trouve, vous êtes tous les deux en sécurité. C'est pourquoi mon esprit était tranquille. Maman, ça n'a pas été facile pour nous. Écoutez, Dieu vous bénira. Qu'il vous bénisse aussi. Il bénira votre famille. Le Seigneur bénira votre famille. Merci, maman. Dieu vous bénira. Vous allez vous aimer tout au long de votre vie. Amen. Et demeurer ensemble. Amen. Naï. Mon frère, merci beaucoup. Oh, mon père. Oh, Okolo, on partagera cette cola. Oui. Avec un bon beurre. J'ai vraiment hâte. Ah, tu as hâte? J'ai vraiment hâte. Ouais. Tu es Happiness. La bienvenue. Je rends grâce à Dieu. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.